Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chères auditrices et bonsoir chers auditeurs et bienvenue au festin intellectuel. Et comme vous le savez, chaque mercredi c'est totalement dédié à nos mères et en particulier à la première dame. Je vous dis bienvenue sur la meilleure des plateformes, la plateforme de la fraternité, où nous essayons de nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit, parce qu'en réalité ce qui est déjà convaincu est vaincu d'office. Et avant de tomber dans le sujet de ce jour, j'aimerais inviter tous nos parents en Côte d'Ivoire, que vous soyez Bété, que vous soyez Gago, que vous soyez Guéré, Wabé, quelle que soit l'ethnie à laquelle vous appartenez, vous pouvez faire des chansons comme notre sœur l'a fait, et à l'endroit du président de la République pour lui montrer notre amour, parce qu'en réalité, le président de la République doit être quelqu'un qui doit être célébré tous les jours de notre vie pour tout le bien qu'il pose en faveur de l'humanité. Je dis merci à tous les élèves de la classe et surtout un merci particulier appuyé avec une motion de bonne santé et de prompt rétablissement à notre mère Madame Blanc, à Meïté Tefeut, au roi du printemps ainsi qu'à toutes les autres personnes anonymes dont nous ne pouvons citer les noms. Nous prions Dieu pour que la santé revienne comme c'était auparavant et que vous puissiez reprendre l'existence normalement comme toute autre personne. Merci de nous faire confiance. Merci d'être sur la plateforme de la fraternité. Et aujourd'hui, nous commençons le premier sujet par la titrologie. Et la pandémie à coronavirus et la nomination de M. Marcel Amontano, ex-ministre des Affaires étrangères au secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente, font la une de l'actualité sociopolitique de ce mercredi 5 janvier 2022. Le retour de l'ex-ministre ivoirien Marcel Amontano dans les grâces du pouvoir Alassane Ouattara fait l'objet d'une vive polémique dans la presse ivoirienne de ce mercredi. Selon que l'on soit proche ou opposé au parti au pouvoir, cette nomination de l'ancien ministre, patron de la diplomatie ivoirienne, passé brièvement dans les rangs de l'opposition, est diversement appréciée. Ainsi, le temps revient sur les discours violents d'Amontano contre le président Ouattara, durant la lutte contre le troisième mandat qu'il jugeait illégal. Amontano s'aplatit devant Ouattara, juge le journal Dernière Heure Monde. Marcel Amon atterrit au Conseil de l'Entente, écrit Notre Voix, qui précise que cette nomination est la conséquence de la réconciliation entre le président Alassane Ouattara et son ancien directeur de cabinet. Le journal L'Avenir, proche du RHDP, voit en cette nomination
un acte de noblesse posé par le président de la République, Alassane Ouattara, la pédagogie du pardon, titre Le Journal. Quant à l'expression, il se fait écho de la reconnaissance exprimée au chef de l'État par le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente lors de sa prise de fonction hier mardi 4 janvier 2022, en présence du ministre Alcide Guédié. « J'exprime ma gratitude au président de la République », rapporte le journal qui cite les propos d'Amontano. Le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a également promis de tout faire pour mériter la confiance du président Ouattara. Autre actualité de ce mercredi 5 janvier, c'est la confirmation d'Eugène Aka Wele à la tête du Conseil économique et social, environnemental et culturel, ainsi que la nomination de 115 membres de l'institution. Ouattara nomme un proche de Gbagbo, révèle Soir Info, qui présente la liste intégrale des conseillers économiques et sociaux nommés par le président Alassane Ouattara. Concernant les cas de contamination au COVID-19, le nouveau réveil révèle que 95% des cas de grippe actuellement en Côte d'Ivoire sont la COVID-19. Et donc, l'information est tombée à travers ce journal-là, puisque du côté d'Abidjan, il y a une flambée de grippe et aussi mélangée avec un palu. Mais en réalité, c'était le variant Omicron qui manifestait ses mauvaises actions comme ça. Et nous prions Dieu pour qu'il puisse protéger toutes nos populations du côté de la Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Sujet numéro 2. Les défis de la nouvelle année. Nous sommes entrés dans la nouvelle année qui, d'une certaine façon, nous a déjà montré à quoi elle ressemblera. La précédente s'était achevée avec les actes de violence perpétrés par des élèves qui voulaient aller en vacances selon leur calendrier à eux et avec l'explosion des cas de COVID-19 dans le monde entier, y compris chez nous en Côte d'Ivoire. Parmi les nombreux défis que nous aurons à affronter au cours de cette année 2022, il faudra donc compter avec ces deux-là, à savoir la crise sanitaire et celle de notre jeunesse. Pour ce qui est de la crise sanitaire, la solution est en grande partie entre les mains des pays développés, vu que nous, pays africains, avons renoncé à nous lancer dans la recherche scientifique, optant plutôt pour la magie et la sorcellerie. Une petite partie de la solution se trouve entre nos mains si nous acceptons de nous faire vacciner, de respecter les mesures barrières, plutôt que de nous en remettre à la volonté de Dieu et d'écouter les âneries que certains débitent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, aucun savant sérieux ne peut nous dire comment évoluera cette pandémie. Chaque fois que l'on croit être sur le point d'en venir à bout, elle mute en changeant de nom grec et l'on recommence à zéro. Aujourd'hui, le nouvel espoir est celui d'une immunité collective. Espérons, car l'espoir fait vivre, surtout en Afrique. L'autre défi qu'il nous faudra affronter est celui de notre jeunesse. Elle représente la majorité de notre population. Certains parlent de 60, quand d'autres parlent même de 70% de la population. Une telle proportion de jeunes devrait représenter une opportunité pour n'importe quel pays, à condition que ce soit offerte à ces jeunes les conditions de leur épanouissement à travers l'acquisition de compétences. Dans une précédente chronique, nous écrivions que nous ne pourrions pas espérer faire avancer notre pays avec cette école publique que nous connaissons actuellement. Il existe certes une autre école, dite privée celle-là, qui offre un enseignement de grande qualité et forme des cadres de bon niveau, mais ils ne sont pas assez nombreux pour développer un pays. D'autant plus que les jeunes qui sortent de cette école n'ont qu'une ambition. Aller travailler dans les pays développés ou dans les succursales de leurs multinationales installées
dans nos pays. L'autre école, celle dite publique, forme des jeunes dont la majorité seront des fonctionnaires qui auront triché ou payé pour obtenir leurs emplois et qui, de ce fait, seront incompétents et véreux, ou même carrément des laissés pour compte. Les plus malins d'entre ces derniers deviendront des escrocs patentés ou des pasteurs, ce qui revient le plus souvent à la même chose, dont quelques-uns, encore plus malins que les autres, sauront utiliser les réseaux sociaux pour se faire passer pour des influenceurs, des leaders d'opinion qui fréquenteront les salons de certains ministres. Beaucoup parmi les laissés pour compte emprunteront les routes de l'Europe qui, pour bon nombre d'entre eux, s'arrêteront dans le désert ou dans la Méditerranée. Et puis, il y a les autres qui, à force de ne plus espérer, céderont au chant des sirènes de ceux qui viendront leur promettre une vie meilleure dans un monde au-delà de celui-ci, plein de femmes, éternellement vierges, de lait et du miel qui coule dans les cieux. Pensons-y fortement. Si le terrorisme est en train de gangréner tout le Sahel et un pays a priori riche tel que le Nigeria, c'est parce qu'il y a dans ces pays une frange de la jeunesse qui se dit qu'il ne peut rien lui arriver de pire que ce qu'elle vit en ce moment, à savoir une vie sans espérance. Les kamikazes des temps modernes sont des jeunes sans espérance, pour qui la vie n'a plus aucun sens. Alors, ils s'accrochent à l'espérance que viennent leur proposer des prédicateurs illuminés, manipulateurs d'esprits faibles, celle de se retrouver au paradis, quels que soient les crimes qu'ils commettront dans cette vie, pourvu que ce soit au nom de Dieu. Nous avons du mal à comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un jeune homme pour qu'il commette des crimes horribles qui ensanglantent nos pays. Mais c'est peut-être parce que nous ne comprenons pas sa désespérance et le vide dans son esprit. Vide que le premier venu peut combler avec n'importe quoi. Il existe dans notre société une partie de la jeunesse qui se trouve dans cette situation de désespérance. Le comportement de certains de nos élèves, pour qui l'école ne représente aucun espoir de réussite, en est une illustration. De même que l'existence de ces enfants que l'on appelle entre guillemets des microbes et qui, déjà à cet âge-là, n'accordent aucune importance à la vie des autres. Nous avons entrepris de corriger les enfants qui ont perturbé l'école. C'est une excellente chose, mais si nous n'engageons pas en cette année 2022 une véritable réflexion sur la problématique de notre jeunesse et de notre société et surtout de notre école, nous aurons la désagréable surprise de réaliser que nous aurons, ou que, pardon, nous avons nourri des monstres. C'est un article de Venance Conan, très bien écrit, conscientisation 10 sur 10, et chacun y gagne pour son compte en termes d'assumer ses responsabilités. C'est très important. Un journaliste, ça doit faire des postes de réflexion. Ça doit faire des postes qui doivent amener celui qui lit à réfléchir ou à se sentir concerné et à s'engager. Un journaliste, ça doit faire des investigations pour montrer au grand monde ce que les individus aux esprits limités ne peuvent pas comprendre. Pour moi, en tout cas, c'est ça le journalisme. Sinon, le reste, ce n'est que du verbiage. Nous passons au troisième sujet qui a pour titre l'annexe fiscale 2022 est rentrée en vigueur en Côte d'Ivoire depuis hier mardi 4 janvier 2022. La pression fiscale en hausse dans le pays. Les mesures contenues dans l'annexe fiscale 2022 relative à la loi de finances numéro 2021-899 du 21 décembre 2021
portant budget de l'État pour l'année 2022 ont pris effet hier mardi 4 janvier. Le texte, indique-t-on, contient 26 mesures, dont 16% visent la diminution de la pression fiscale. 31% favorise une augmentation de la pression fiscale sur les contribuables. 31% vise une rationalisation, un aménagement et une modernisation du dispositif fiscal. Et 23% vise de nouvelles dispositions et impositions. En somme, ces mesures portent sur le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales, le soutien à l'économie nationale et à l'emploi. L'année dernière, selon des sources proches du ministère du Budget, ce sont plus de 350 milliards de francs CFA qui ont été exonérés. Ainsi, dans cette loi des finances, l'on note la suppression de diverses exonérations fiscales en matière d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux des sociétés coopératives de consommation, en matière d'impôts sur le revenu des capitaux mobiliers et le relèvement du taux du crédit d'impôt pour acquisition des brevets et de procédés de fabrication nouveaux de 20% à 30%. Les dates des dépôts de la déclaration de régularisation des impôts sur les traitements et les salaires, en abrégé ITS, ont connu des modifications, y compris le droit sur le chiffre d'affaires des cabinets annexes de vétérinaires, etc. Pour mieux comprendre ce document, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, en partenariat avec le cabinet Mondon Conseil International, a organisé une séance virtuelle de sensibilisation avec les entreprises hier mardi 4 janvier 2021. Et nous terminons définitivement, et ça c'était une information de Financial Afrique, et nous terminons définitivement avec le sujet numéro 4, qui est le dernier. Ah ah, ma joyeuse Côte d'Ivoire. C'est un article qui fait rire, j'ai fait ça exprès, mais en même temps, ceux qui vont bien sûr vont comprendre certaines informations très utiles. Et certaines de ces informations, avec les temps qui vont passer, vous serez moins choqués. Parce que c'est aussi une manière de dire certaines choses qui peuvent choquer. Mais ceux qui vont bien sûr vont comprendre certaines choses. Parce que vous allez vous demander est-ce que c'est possible. Ah ah, ma joyeuse Côte d'Ivoire. Un soir d'octobre 2020, à l'occasion des élections, il m'a été donné d'entendre une personne crier dans un stade « Non à Alassane Ouattara. Son troisième mandat est anticonstitutionnel. » Lui-même nous a dit en 2016 que la Constitution ne l'autorisait pas à faire un troisième mandat. Cette Constitution n'annule pas cette disposition de la Constitution précédente. Il a peur de la Côte d'Ivoire de la majorité, la Côte d'Ivoire plurielle. Tous ces leaders, sachant se mettre ensemble pour défendre l'appel à la désobéissance civile, un appel pacifique pour ne pas verser le sang des Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne ferait à ses frères ce qu'Alassane Ouattara fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. N'ayez pas peur, nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Nous ne reculerons devant rien. Nous en avons marre. Dites-lui de libérer notre pays et de nous le rendre. Mais étrangement, hier, le même individu a pissé sur sa dignité en allant prendre son gombo avec le président Ouattara. Était-il le cheval de Troie pour dynamiter nos opposants Gbofloto? Je ne saurais vous en dire davantage. Mais une chose est certaine, en ce moment même où je vous parle, on s'en va au conseil de l'entente comme ça pour voir
comment notre guerrier d'un soir va avaler sa propre vomissure. Revenons sur le cas du fils de l'autre. Il jure qu'il a vu certains s'en prendre 20 ans pour juste avoir parlé. On dirait que son exil a dégénéré son cerveau. Lorsqu'on est allé faire une imagerie par résonance magnétique ou IRM, on n'a trouvé que des herbes de ganja dans sa boîte crânienne. J'ai alors demandé au docteur ce que nous pourrions faire pour aider notre patient zéro. Et au docteur de me répondre ainsi. Seule une tontine de la communauté pourrait aider votre patient à retrouver son cerveau. Actuellement où je vous parle, on s'en va aux zoo comme ça pour chercher à cotiser cerveau de macaque pour sauver notre frère, le fils de l'autre. Le pays est tellement doux qu'il y a eu une pluie de nominations hier et aujourd'hui encore. Cependant, nous autres, les habitants du quartier indigène, on est restés bouche ouverte, sans aucune goutte de pluie. Et cela nous a mis sur les nerfs. Par conséquent, on est en tas comme ça et on les regarde. En ce 5 janvier, au matin, dès mon réveil, j'ai pu constater que tout le monde dans notre quartier, c'est-à-dire au quartier indigène, entonnait les refrains suivants. Votre gombo qui glisse dans votre ventre là, donnez-nous un peu. Après renseignement pris, on me fit savoir que chacun veut défendre son filet social avant 2025. Parlons un peu de nos voisins de Daoukro, si vous voulez bien les Daoukroniens, et ceux de Burni, qui sont très inquiets en ce moment depuis la dernière sortie du procureur de la République. Ne le dites surtout à personne, car c'est un secret de famille, mais il paraît que leur sang bleu sera bientôt déshonoré en bagne. J'attends de voir comment le procureur va s'y prendre avec Amon la honte nationale et surtout Afiba, la nouvelle go du quartier, qui fait les yeux doux au clan de notre roi. Ce que je sais avec certitude, dans ce pays-là, chacun va manger son totem. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai même vu la saucisse pourrie de Kofi Play se faire manger dans son propre discours 5 jours auparavant. Il a tout avoué et il a même demandé pardon à notre roi. Mais celui-ci est resté stoïque en disant qu'il ne pardonnera à notre fugitif que le jour où les hyènes mangeront du mil. Patati patata, Bassalkou, l'homme de Chris Yapi, dans le gouvernement, vient de se faire prendre dans une conversation qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment. Étrangement, depuis que Bassalkou a été limogé du gouvernement, Chris Yapi de Kofi Play a perdu ses yeux et ses oreilles. Adama, on peut être traite jusqu'à ce point. En tout cas, chez nous, au quartier indigène, on dira simplement Kabako.
Les temps sont vraiment durs. Tellement durs que Boga Sako accuse l'opposition depuis hier soir. En réalité, l'homme veut sa part du gâteau, coûte que coûte. Donc, depuis hier soir, on est arrêté devant le restaurant, entre guillemets, comme ça. Même celui qui avait lancé son ultimatum du 31 décembre 2021 a fini lui aussi par avoir sa part du gâteau. Pardonnez, laissez-nous laper les assiettes du restaurant. Aujourd'hui, 5 janvier 2022, notre roi a tellement maîtrisé son rôle qu'il met chacun à sa place et il n'y a rien en face. Même le croqueur des CDAO qui séjourne actuellement dans un hôtel de la haie s'est résolu à confier sa destinée à notre roi. Le prince des Nambés et le roi Abdallah Western veulent revenir à la maison pour reprendre leur place au restaurant national. Chez nos parents de l'Est, on dira Adjrakata. Le vendredi 7 janvier 2022, on s'en ira à Daoukro comme ça pour parler dans le secret des dieux. C'est un texte d'éclaireur pro vérité. Pour ceux qui auront bien compris, il y a des paroles très importantes là-dedans sur ce qui va se passer et certaines choses que vous allez voir dans ces deux jours-là. Mais on préfère vous le dire ainsi pour que ceux qui ont plus le temps de bien écouter ne seraient pas très surpris. C'est comme aussi ce que vous aviez vu à Bobo. Vous avez vu qu'on n'en a pas trop parlé parce qu'on savait qu'il y avait des infiltrés et il fallait être très intelligent et ne pas communiquer d'une certaine façon pour les alerter. Mais Dieu merci, il y a beaucoup qui ont été pris depuis leur entrée en Côte d'Ivoire et surtout à Abidjan aussi, il y a beaucoup qui ont été pris. Et donc Dieu merci, la Côte d'Ivoire évolue très bien. Et donc nous allons passer à notre mère Mouna Kanté qui va faire sa lecture et dès qu'elle aura fini, vous pourriez exposer les différentes préoccupations pour enrichir les débats. Allô? Allô? Bonsoir, chère Madame Kanté. Oui, bonsoir, le pleureur. Comment allez-vous? Je vais extrêmement bien. Vous-même? Ça va un petit peu. La voix est un peu enrouillée, enrhumée, mais bon, ça va. Ça ira. Vraiment, prompt rétablissement à tout le monde. Oui. Merci. Et vous avez la parole. Alors, je parlerai de la femme dans la vie d'un homme. Mais tout avant, je vais d'abord saluer les Maou et les Chao. Et voilà. Je commence. Dans la Bible, comme dans le Coran, la femme est créée à partir d'une côte de l'homme. En effet, la femme est sortie de l'homme. Il lui doit respect, amour et fidélité. Car il est dit dans Marc chapitre 10, verset 7, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et formeront une seule chair. Une femme peut apporter beaucoup à un homme. Tout dépend de la relation, si celle-ci est soignée ou non. La femme est souvent la pièce maîtresse qui détermine l'homme. La femme est source de réjouissance, de rayonnement et de stabilité au sein d'un foyer. Dans le Coran, la femme est le vêtement de l'homme, c'est-à-dire elle le sutra. Elle est le moteur de réussite pour l'homme. La femme est source de vie comme l'eau. Elle organise la vie de son homme. Elle crée de l'harmonie. Et la femme est capable de grandir l'image de son homme aux yeux des autres. Les exemples parlent d'eux-mêmes. Maman Dominique a donné le chemin de la stabilité,
de l'assurance majestueuse à Papa Addo. Michelle Obama a ouvert le chemin du succès, de la victoire à son mari Barack Obama. La femme de l'éclaireur lui a insufflé une confiance qui se ressent dans son discours, empreint de confiance en lui-même. Dans la mythologie, Hera est le modèle de la femme fidèle dans son foyer, en l'instar des grandes dames que je viens de vous citer. Mais par contre, malgré la fragilité de la femme, face à un homme infidèle, violent et méchant, et qu'il brise le pacte divin qui est le mariage, alors la femme vient, et bien que fragile, le fera payer. Tout comme Hera, elle se transformera en une vengeresse sans pareil, pourrissant la vie de son mari Zeus à cause de ses écarts de conduite d'infidélité. Alors, femme, soyons le soutien et l'âme sœur de nos hommes afin qu'ils puissent s'accomplir. C'en est fini. Et aussi, je voudrais dire, malgré les efforts que fait la BHCI, nous réitérons auprès des logements sociaux également, remboursement des adhérents afin qu'ils puissent réaliser leur projet. Je souhaite un propre établissement à tous et à toutes, qui sont, autant de personnes qui sont malades, notamment Madame Blanc, de Feutre, et que Dieu nous protège. J'en ai fini. Merci beaucoup, chère mère. Et à vous-même, nous souhaitons un propre établissement. Merci pour ce brillant texte. Et je crois que je crois que c'est la mode en ce moment. C'est la mode en ce moment. C'est ce qu'il faut dire. Ça est partout. Voilà. Et on ne peut que prier Dieu pour qu'il nous protège. Et qu'il nous donne une santé de fer. Et surtout, merci pour ce brillant texte qui doit amener chaque homme intelligent et consciencieux à se poser la question de son existence. Parce qu'il vous suffit d'avoir la mauvaise personne en termes de compagnon et vous vous retrouvez dans les abîmes. Et une bonne femme, c'est une grande bénédiction. Ça, ceux qui sont intelligents le savent. Vraiment, merci à toutes les mères et merci à toutes les mères que vous êtes. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et un gros coucou à Madame Blanc. Vraiment. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Merci. Ok. Et donc, chers élèves de la classe, la séance est complètement ouverte. Pour tous ceux et toutes celles qui veulent intervenir, vous pouvez le faire et poser vos questions, faire des suggestions, des ajouts. Allô? Bonsoir, le conquérant. Oui, bonsoir, chef éclaireur. Comment ça va? Je vais très bien chez vous. Ça va extrêmement bien. Et bienvenue, okay, merci. Bienvenue parmi nous après un temps de repos. Effectivement. Et nous espérons que vous vous êtes bien reposé et que la reprise a été très bien pour vous. Oui. Et merci la beaucoup. Reprise s'annonce très bien, sauf qu'il y a la grippe qui est en train de sévir. Les uns et les autres pourront le constater à travers un léger changement de voix. Oui, ça c'est. C'est la mode. Entendre correctement. C'est la mode partout, on fait avec. Effectivement. Oui, oui. Alors, tout d'abord, c'est la nouvelle année 2022. C'est la première fois que je prends la parole sur l'émission pour la nouvelle année 2022. Donc, dans un premier temps, je voudrais tout d'abord souhaiter excellente et heureuse année 2022 à tous. Que l'année 2022 soit une année de paix, de stabilité et de bonheur partagé pour tous. Que la Côte d'Ivoire continue d'avancer résolument dans son progrès, son développement, et que son Excellence M. Alassane Ouattara, le Président de la République, soit en très bonne santé, que Dieu lui accorde la santé, la longévité, pour continuer à diriger la Côte d'Ivoire et à hisser ce pays au sommet du développement. Que Dieu bénisse également tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, ainsi que tous nos auditeurs. Donc, ça, c'est d'abord le meilleur vœu
dans le cadre de la nouvelle année. Maintenant, en première position, je vais tout d'abord m'appesantir sur un volet du discours du président, sinon deux volets du discours du président. Il y a l'aspect social et puis également il y a la lutte contre la corruption. Et en deuxième position, je vais parler aujourd'hui des déstabilisateurs. Donc, ce qu'il faut dire déjà, c'est que dans le discours du nouvel an, le président de la République, il a annoncé un plan de 3182 milliards de francs CFA à l'aspect social et à la lutte contre la pauvreté. Autrement dit, le PS couvre la phase 2 qui va consister à réduire de façon considérable les inégalités sociales, la pauvreté et la vulnérabilité des ménages. Il va s'étendre sur un peu plus de 3182 milliards. Donc, dans un premier temps, je voudrais remercier et féliciter énormément Son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, parce que je reste convaincu que nos appels ont été entendus. Nos appels en ce qui concerne le volet social ont été entendus. La première phase était de un peu plus de 1100 milliards de francs CFA. Alors, la phase 2 s'annonce à peu près au triple du montant de la phase 1. Et tout ceci pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de nos concitoyens qui vivent dans des situations difficiles, dans la pauvreté et dans la vulnérabilité. Donc, il est important d'apporter assistance sociale à tous ces concitoyens-là. C'est donc dans ce sens-là que le gouvernement, après avoir longuement réfléchi, a décidé d'octroyer une telle enveloppe pour les pauvres, sinon pour les citoyens à très faible revenu. Donc, ce que nous voulons dire, quand on dit 3182 milliards dans le social, ça ne veut pas dire que cet argent, il sera redistribué. Tu es chez toi, on vient te donner, Non, ce n'est pas comme ça. L'argent sera réparti sous les formes suivantes. Une partie va être dédiée à la formation et à l'autonomisation des jeunes et des femmes sans emploi, surtout dans les zones frontalières au nord de la Côte d'Ivoire. Une partie va être redistribuée dans, va servir plutôt à financer les projets de distribution d'eau potable et de l'électricité. Une partie va servir aux allocations familiales. Une autre partie va servir à la santé. Donc tout ceci, d'une manière ou d'une autre, si l'argent est bien utilisé et si ça touche les populations concernées, c'est-à-dire les populations à très faible revenu, il est très clair que à la fin de l'opération, nous allons constater une réduction considérable de la pauvreté et des inégalités sociales. C'est pour cela que nous voulons inviter incessamment tous ceux et toutes celles qui auront à charge de gérer ces fonds, de les utiliser à bon escient. Nous serons très regardants sur la gestion de ces fonds et nous insistons pour dire qu'il faut effectivement que ces fonds-là servent à la bonne cause. Donc s'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui voient déjà les 3182 milliards de francs CFA et qui pensent qu'au bout du compte, ils vont se remplir les poches,
nous leur disons de s'éloigner définitivement de la gestion de ces fonds-là. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Le moment venu, nous allons veiller à ce que cet argent soit utilisé correctement. Il faut que cet argent atteigne les populations concernées. C'est très important. Très important. Et nous n'allons pas transiger sur ce fait-là. Dans son allocution, le président de la République a également dit qu'il allait instaurer un prix pour la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. C'est une initiative qui est salutaire. Nous soutenons vivement cette initiative-là. Mais en même temps, nous revenons pour rappeler que depuis l'année 2021, nous avons chanté qu'il était impératif que tous ceux qui ont eu à voler des fonds dans le cadre de la gestion des fonds publics entre 2000 jusqu'à 2022, là, jusqu'à fin 2021, sinon jusqu'à maintenant, il faut que tous ces gens-là remboursent. Partout où ils ont gardé l'argent, nous insistons. Il faut que le président de la République aille au bout de ses investigations pour aller chercher ces fonds-là pour venir. Parce que, effectivement, nous avons besoin de cet argent-là pour financer beaucoup de projets de développement. C'est très important. Nous insistons sur la très bonne gestion de ces fonds-là. Et nous insistons sur le fait qu'il faut que tous ceux qui ont eu à voler de l'argent, ou bien tous ceux qui sont impliqués dans les malversations financières, il faut qu'ils remboursent. Nous n'allons pas nous laisser faire. La lutte contre la corruption va continuer, elle va s'accentuer, elle va s'accélérer et elle ne s'arrêtera plus jamais. Donc c'est ce que je voulais dire de cet aspect-là. En ce qui concerne le cas des déstabilisateurs dont j'ai décidé de parler tout à l'heure, permettez-moi de lire un article de presse titré « Côte d'Ivoire, une conversation de Soro et ses amis dont Konaté Sidiki dévoilé », un article tiré de Info Plus. Abidjan, le 4 janvier 2022. Une conversation de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et ses collaborateurs a été dévoilée le lundi 3 janvier 2022. C'est un groupe de discussion dans lequel le cercle restreint de Soro donne des stratégies pour attaquer le pouvoir du président Ouattara sur les réseaux sociaux sans se faire repérer à la police de lutte contre la cybercriminalité. J'ai vu des contacts à la PLCC, entendus par la police de lutte contre la cybercriminalité. Ils se sont dotés d'équipements capables d'identifier la provenance de n'importe quelle publication Facebook, IP, adresse, info du propriétaire de la connexion Internet. Tous les avatars doivent impérativement utiliser des VPN. Alors, il faut dire que là, c'est un soroïste qui parle et puis on y déclare un participant à la conversation. L'identité de ce dernier, bien que masquée, sera dévoilée par des indices fournis par Moussa Touré, directeur de la communication de Soro, qui dit « Bien reçu, patron. Message également reçu d'une autre source. Lâche Moussa Touré suite à la première réaction. » Ça ne fait donc l'ombre d'aucun doute que le premier intervenant est Guillaume Soro lui-même, puisque Moussa Touré répond « Bien reçu, patron. » Et à Soro d'ajouter « Urgence des exécutés, demander aux autres d'installer des VPN. » Moussa Touré encore, ok patron. Ouattara Tomark, également proche de Soro, répond, bien reçu, excellence. Autre fait notable, c'est l'apparition d'un nom de code pendant la conversation. Guillaume Soro qui demande à un certain Bassalkou de
cacher ses fesses. Hide me, yes. C'est égal à cacher mes fesses, basalgo. Indique Suru. Selon une source proche de la conversation, basalgo est le nom de code de Sidiki Konaté. C'est Sidiki Konaté soutient fermement un Suru très introduit. C'est ce nom qu'on lui a donné pour protéger son identité, renchérit notre informateur. En tout cas, la conversation est riche en informations. Suru demande à ses collaborateurs d'utiliser des moyens informatiques pour descendre le pouvoir sans se faire épeler. Prouve qu'il n'a pas abandonné sa posture et qu'il espère discréditer le pouvoir dans l'espoir d'en être le détenteur. D'où le départ de la quasi-totalité de ces hommes sûrs qui lui ont clairement fait savoir que ses méthodes sont obsolètes et que son combat n'a aucune chance d'aboutir s'il ne s'inscrit pas dans une posture républicaine. Info plus Côte d'Ivoire détient encore plusieurs autres conversations dans lesquelles Suru annonce l'apocalypse. Nous y reviendrons. L'article est signé Info plus. Alors, voici le contenu de l'article. Comme quoi, ceux qui sont là parfois qui pensent que ce qu'on dit ici, on est là pour s'amuser ou bien on parle dans le vide. Nous ne parlons pas dans le vide. Il y a des informations, il y a plein d'informations et tout ne peut pas se dire à la place publique ici. Il y a des choses, si les uns et les autres savent, la plupart du temps, ils seront pris de peur, parfois même toutes seront confondues. Donc ce que nous demandons, il est plus que jamais grand temps que le président de la République joue la carte de la très grande fermeté vis-à-vis des Suruïsi. Je l'ai dit et je le répète. Tous ceux et toutes celles qui ont eu à travailler avec Guillaume Suru dans la rébellion, qui ont été ses proches collaborateurs, qui ont, à un moment donné même, combattu le président Ouattara, tous ces gens-là, il faut que le président de la République se méfie d'eux. Il faut que le président de la République, le gouvernement se méfie d'eux. Ces gens, il faut les mettre très loin du système pour plus les rapprocher de la gouvernance. Même ceux qui ont dit qu'ils sont revenus, moi je le dis, c'est leur problème. Et tous ceux dont on donne les identités ici, moi, quelqu'un comme Sidiki Konaté, je veux le dire très clairement, il ne m'inspire aucune confiance. Il ne m'inspire absolument aucune confiance. C'est même pas une bonne personne. À déjà le voir même par le visage, on sait qu'il n'est pas bien. Donc, voyez-vous, c'est dans ça qu'on est. Des gens qui sont dans le double jeu. Ils sont dans le double jeu, espérant qu'ils vont arriver à dribbler les systèmes qui prennent le pouvoir. Que les enquêtes approfondies soient menées. Tous ceux qui sont indexés, tous ceux qui seront coupables, vraiment, il faut qu'ils soient mis aux arrêts. Il faut qu'ils soient mis aux arrêts, jugés, condamnés conformément à la loi. On ne peut pas continuer à laisser faire. Il y a plein de Suruïs qui sont là, ils sont présents en Côte d'Ivoire, et c'est eux qui sont en train de manigancer pour renverser le pouvoir. Ces gens-là, il est plus que jamais grand temps de les mettre aux arrêts. Que ce soit du côté du PDC ou bien des corps, tous ceux qui sont impliqués, il faut que le gouvernement soit très ferme. Nous ne pouvons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Et nous n'allons jamais, jamais, jamais accepter que ce pays soit à nouveau déstabilisé. Il y a eu un concert qui a été annulé à Abobo. Je vois les gens bavarder. Ils peuvent continuer à bavarder, ça c'est leur problème. Mais la réalité, c'est que compte tenu de la situation sécuritaire, il était impératif d'annuler ce concert-là. Donc je vais demander aux autorités compétentes de fouiller attentivement les communes de Abobo, Anyama, Adjamé,
Trècheville, Koumassi. Il faut fouiller attentivement toutes ces communes en Abidjan. Si on épingle des gens qui sont impliqués dans un schéma de déstabilisation, il ne faut même pas hésiter, quel que soit le rang social, à les mettre aux arrêts. On ne peut pas être là en train de voir une situation et ne pas prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous sommes suffisamment fatigués de ces salauds-là. Il faut que les uns et les autres agissent maintenant. On ne va pas accepter que des gens se lèvent un bon matin pour venir foutre en l'air toute la paix sociale. Et également du côté de Bouaké, Bouaké et puis Man. Les villes de Bouaké, Man, il faut que les gens fuient là-bas. Si on prend les gens, il faut les mettre aux arrêts. Parce que on est vraiment fatigué. Un, deux, trois, ils restent là. Ils sont ici. Ils sont nombreux. Beaucoup sont sur le territoire ici. Et ils espèrent qu'ils peuvent rester sur le territoire pour faire des bêtises. Et il y a plein de souris qui sont impliquées. Il faut que les gens fassent leur travail. Il faut que les gens fassent leur travail. Ne mettons pas la vie des Ivoiriens en danger. Ne détruisons pas l'économie ivoirienne. Qui parle d'abord d'économie et de vie, d'abord il faut qu'il y ait la paix sociale, la stabilité. Je le dis toujours, la paix sociale et la stabilité passent avant tout. Donc on ne pourra jamais accepter que des gens viennent pour détruire ces pays-là. Il faut que le président de la République et ses très proches collaborateurs se lèvent pour vraiment combattre tout ce qui est en train de se passer. Il faut que les militants, les cadres, les militants du RHDP se lèvent très debout comme un seul homme pour aller à l'assaut de ces délinquants-là. Parce que nous devons gagner cette bataille-là pour asseoir la paix sociale et la stabilité sur le long terme. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. En toute sincérité, ça a été une brillante présentation et dire que j'ai quelque chose d'autre à dire, ce serait vraiment faire fausse route. Sauf que je ne peux que vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous venez de présenter là. Parce que c'est des présentations qui sont claires dans une présentation sans parti pris qui invite chacun de nous à apprécier la vérité et à se situer pour pouvoir prendre parti. Et nous le disons, on peut faire tout ce qu'on a à faire. Mais si nous jouons avec la paix et la stabilité, nous sommes tous perdants. Et on ne doit pas demander pardon à quelqu'un pour assurer sa sécurité. Vous êtes dans les quartiers, vous savez ce qui se passe là-bas. Depuis une ou deux semaines avant, on vous a beaucoup parlé de ces situations-là. Si vous voyez quelque chose d'inhabituel, parlez-nous. Même du côté de Bouaké, hier je parlais de Lil Wayne, qui est le surnom de celui qui menait les troupes là-bas, mais qu'il s'apprête. Parce qu'on va donner toutes ses références. Il va être arrêté. Et okay, comme je le disais, la nuit du le 31, ils ont eu à casser des bangers. Moi, je ne suis pas à Abidjan, mais il y a eu beaucoup de bangers parce que mes sources m'ont appelé. Ils me disent, mais éclairé, écoute, ce qu'on entend là, ça ne ressemble pas à Bangers. Hein. J'ai dit, mais c'est où? Ils me disent vers Bengerville et puis à Bobo. Oui. J'ai dit, ah bon? Et ils m'ont fait écouter certains sons en direct quand ça explosait. Et ça pouvait cacher certaines choses. Mais Dieu merci, comme déjà la racine même avait été coupée, ça fait éviter beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut parler, donner quelques détails. Mais nous disons à nos parents que quand on parle de sécurité, c'est chacun qui a aussi le responsable de sa propre sécurité en aidant ceux qui sont les dirigeants du pays. Quand vous voyez quelque chose, dites quelque chose parce que ça peut sauver des vies. Et vous n'en tirerez qu'une fierté qui est sans limite. Qu'on vous paye ou qu'on ne vous paye pas, le jour que, à travers votre personne, vous aurez pu mettre en échec un attentat ou un coup d'État, la joie que vous allez ressentir là, même le jour de votre mort, vous allez encore ressentir le goût de ça. Et ça, il faudrait que vous puissiez expérimenter cela. Et nous le disons tous les vrais élèves de la classe. Je ne dis pas ceux qui viennent ici
avec une double intention, parce que beaucoup parmi nous sont des visiteurs et puis même des serpents. Je ne parle pas d'eux. Je parle des vrais élèves de la classe. Ouvrez les yeux. Et le travail que nous faisons là, nous n'attendons de salaire de personne. Parce que nous savons que ce que nous faisons là, c'est Dieu seul qui peut nous payer pour cela. Ça ne veut pas dire qu'on est idiot, mais Dieu sait comment il payera chacun de nous. Et nous, on aura fait ce qu'on peut pour notre pays et pour l'humanité. C'est dans cela que nous, on retrouve notre satisfaction. Donc, vraiment, continuons à faire ce qu'on a à faire. Et à toi-même, je vais souhaiter un prompt rétablissement. Vraiment, merci beaucoup. Et que Dieu nous maintienne dans ses grâces et qu'il nous accorde aussi une santé de fer. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allô? Allô? Bonsoir, cher frère. Bonsoir, frère. Comment allez-vous? Ah, je vais très bien, et chez vous? Oui, ça va très bien. Surtout, comme disait Madame Blanc, on a tous des voix de crocodile. Ouais. À cause de la situation du moment. Ah, vraiment. Mais on est là quand même. Ah, ok. Pas de souci. Vraiment, merci, frère, de m'avoir donné la parole ce soir. Il y a quelque chose que je voulais dénoncer un peu. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est un peu le cas des manques de professeurs de mathématiques et d'anglais dans nos différents lycées et collèges. Je ne sais pas si vous avez eu écho de ce qui s'est passé à Odéné. Non. Où les élèves du lycée moderne 1 d'Odéné, une partie des élèves est rentrée en grève depuis mardi. Pour exprimer leur mécontentement parce qu'ils ont passé le premier trimestre sans procès d'anglais. Donc, ils sont rentrés, ils ont manifesté par attirer l'attention des autorités sur ce fait-là. Ce n'est pas seulement quand vous dînez. Moi-même, j'ai ce petit problème-là. Ma fille qui est à San Pedro, qui est en classe de 6e. Au lycée Cabo Clément de San Pedro, tout le premier trimestre, ils n'ont pas eu de professeur d'anglais. Ils n'ont pas eu de professeur d'anglais, ni de professeur de maths en classe de 6e. On a oublié de payer un répétiteur pour pouvoir leur donner leur cours de maths. Pour pouvoir leur donner leur cours de maths, et leur cours de maths et leur cours d'anglais, leur cours d'anglais à domicile, qui a vraiment de l'argent. Nous avons promis qu'à partir du à la reprise, après le congé de Noël, il allait avoir des professeurs pour les enfants. Mais jusqu'à présent, les enfants n'ont pas de professeurs. Donc ce problème-là a révolté les élèves du lycée moderne 1 de Guinée. Ils se sont vraiment manifestés. Ça ne vient plus attirer l'attention des uns et des autres sur ce site de fête-là. Oui, je suis là, je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute attentivement. Ok, éclairé, ça c'est la première partie de mon intervention. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce problème-là. Effectivement, c'est une situation malencontreuse et c'est vraiment déplorable. Et je crois que c'est des situations qui doivent être corrigées. Et aujourd'hui, il faut dire que ce sont des défaillances sur lesquelles et les populations et même les praticiens du métier de l'enseignement devraient se focaliser. Parce que ce n'est pas cette année. Mais une fois que l'enfant a raté les bases et que l'enfant va en classe supérieure, quelle que soit la formation que vous allez lui donner, ça devient beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui même, le système même temps a forcé même tout le monde à aller vers le privé. Et comme je le disais dans l'article
que venant ce qu'on a écrit aujourd'hui, on crée des écoles poubelles pour créer des handicapés intellectuels et on veut s'attendre à ce que notre société puisse s'en sortir avec. C'est très malheureux et on ne peut que décrier de telles situations et demander surtout apporter notre voix à celle des différents proviseurs et censeurs pour que de telles situations soient corrigées le plus vite. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Surtout des matières très importantes pour la formation des enfants. C'est vraiment déplorable. Vivement qu'on trouve une solution à ce problème-là. Dans nos différents lycées, ça sera vraiment... ça sera vraiment la bienvenue si on a, on a pu résoudre ce problème dans nos différents lycées. Ok, Claire. Maintenant, ma deuxième intervention sera basée un peu sur l'annulation du procès de Kenga Abobo. Aujourd'hui, il a été un peu de balader sur la toile pour pouvoir voir les différentes réactions. Il a été même sur la page de Kenga. Sur Kenga, lui-même, il a intervenu, il a lu des commentaires sur sa page. Qu'il respecte la liberté d'expression. Mais, si lui-même, tout ce qu'il a lu, s'il est vraiment quelqu'un, un actif vraiment engagé, il doit savoir qu'il mène un mauvais combat. Il doit savoir qu'il mène un mauvais combat. Tous ces commentaires qu'il y a eu sur sa page, vraiment, doivent interpeller quelqu'un qui se dit engagé. Il sait que où il se trouve actuellement. Il a des remords par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ses agissements. Donc, je suis sûr que lui-même a des remords. Parce qu'après son intervention, il dit non, je suis pour la liberté d'expression. Il y a eu beaucoup de commentaires, ceux qui ont apprécié, ceux qui n'ont pas apprécié. Beaucoup m'ont insulté, mais c'est vrai, je suis pour la liberté d'expression. Il a senti à lui qui est vraiment un peu quitté. Qui veut vraiment se racheter. Le mal est fait, mais il sait que c'est quelqu'un qui va se racheter parce qu'il a s'il est vraiment un assistant engagé, il sera appliqué dans le mauvais combat. Ok, Claire, c'était mon intervention ce soir. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Et on espère bien que le frère Doumbia Moussa va réellement s'engager pour la vérité. On ne lui demande pas de s'engager pour nous ou bien pour un camp. Ça serait contraire même à la logique d'un homme normal. Mais au moins, qu'il prenne le soin de bien se renseigner et de s'engager pour la vérité, même si elle est contre nous. On est d'accord avec ça. Et de ne pas faire de son art un commerce. Et de ne pas commercialiser son art. Sinon, à la fin, il se retrouvera humilié. C'est vraiment important qu'on lui dise ça. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, j'ai intervenu dans notre pays. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Que Dieu nous donne longue vie et qu'il vous permette d'accomplir ces voyages-là en santé, en paix et dans la protection de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée, Claire. À vous pareillement. Allô? Allô? Bonsoir, cher frère. Bonsoir, frère. Oui, comment allez-vous? Comment ça va? J'espère. Oui, on vous entend très bien. Ça va très bien. Oui. Vraiment, je suis très heureux de vous retrouver, Claire. Je suis très heureux de retrouver toute la classe. Merci. J'ai cru lire, Claire, qu'on devait faire une chanson à l'honneur du président de la République par rapport à son anniversaire. J'aimerais y essayer avant de continuer si c'est possible. Il n'y a pas de problème, c'est notre plus grand plaisir. Voilà, dans la plus grande langue de Côte d'Ivoire, la langue la plus prisée en Côte d'Ivoire, bien nommée de Sénoufou, je dirais donc ceci. Oh, tu l'as si calme,
si kaumado, bocho si kauma. Voilà, c'est ce que j'avais voulu vous donner comme chanson. Vraiment, merci beaucoup. Le président de la République, oui. Son anniversaire. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'artistes. Il n'y a pas beaucoup d'artistes, c'est nous. Parce qu'on peut les compter sur le bout. Non, hein. Je t'ai dit que les artistes, c'est nous, on peut les compter sur le bout du doigt. Hein? À part zélé des papara et puis. Ah, mais il y a la tristement célèbre Aïcha Kone aussi, c'est nous. Il y a Alpha Blondie, c'est nous. Il y en a tellement, il y a Soron Ghana, il y en a tellement. Et moi, je suis là, tout ça là. Mais je t'ai dit que ce morceau-là, moi-même, je vais payer pour que les gens ne payent pas. Merci beaucoup. Merci à toi-même aussi. Merci dans le vif du sujet. Oui, oui. Éclairage, je vais commencer directement par le discours du président de la République. Mm-hmm. La dernière fois, je vous ai écouté avec beaucoup d'envie. Mm-hmm. Le linguiste que je suis mm-hmm. a vraiment apprécié toute l'analyse que vous avez faite. Mm-hmm. C'était tellement juste. Il n'y a absolument rien à ajouter. Mm-hmm. Même si vous avez dit que peu. Je peux m'exprimer ainsi physiologique de ce discours. Mm-hmm. Je voudrais m'attarder un peu sur les gestes même du président de la République. Mm-hmm. Éclairer les gestes du président de la République, si on suit bien. Mm-hmm. Vous avez vu un monsieur rassurant par ses gestes qui augure un avenir très prometteur. À travers ses gestes, j'ai lu un monsieur confiant qui a beaucoup de confiance, surtout en la jeunesse. Il parlait, il montrait des gestes de force et la force, c'est à la jeunesse que ça s'adresse. J'aimerais profiter de lancer un appel à toute la jeunesse. Ce n'est pas en s'asseyant dans les salons qu'on fait développer un pays. Ce n'est pas seulement ceux qui travaillent dans les bureaux qui contribuent au développement d'un pays. Chacun à son niveau, quel que soit ce qu'il va faire, qui apportera un bien à ce pays, contribuera au développement même du pays. Le président de la République, à travers ses gestes, veut nous transmettre cette culture-là de travail, d'envie, de vouloir avancer. Il va falloir que nous profitons pour saisir cette pêche qu'il nous tend à travers les gestes qu'il a lancés dans son discours. Éclaireur, j'ai été vraiment fier d'appartenir à ce parti. J'ai été fier de mon amour que j'ai pour ce monsieur parce qu'à travers son discours, il a mis la différence entre moins de 11 ans de gestion et plus de 40 ans de gestion des autres présidents, tous mis ensemble. M. Alassane Draman Ouattara est un homme à respecter. On ne le dira jamais assez. Il fait beaucoup. Il fera beaucoup comme lui-même l'a dit. Si nous l'y aidons et nous allons l'y aider. Toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, il va falloir qu'on change maintenant de mentalité et qu'on pense beaucoup progrès, travail, progrès, travail, progrès. Je vais continuer pour répondre sur le problème du concert annulé de Tikendia. Mm-hmm. La note de service de la mairie a été plus que claire. Si on voulait annuler le concert de Tikendia parce qu'il a chanté 20 ans de prison, il n'allait pas faire ce concert à Odjene. Et les cadres d'Odjene, même qui sont RHDP, n'allaient pas être présents à ce concert-là. J'ai nommé par exemple M. Koti qui était présent au concert. Si c'était à cause des 20 ans, personne n'allait y aller et il serait censuré même avant même que le concert n'ait été programmé. Ça fait un. De deux, si c'était à cause des 20 ans qu'il a chanté, on ne lui aurait même pas proposé d'autres sites pour aller faire son concert. Donc, Tikendia, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, mais qu'il arrête de rentrer dans le dilatoire. Ce n'est pas parce que l'opposition l'a accusé, ou du moins l'accuse, du fait que depuis que le président de la République est là, il ne chante plus, il ne critique plus,
qui va profiter du moindre mensonge pour se faire entendre. Non. Ce n'est pas comme ça un artiste engagé. On est engagé dans la vérité. Même quand c'est contre le pouvoir en place, que c'est dans la vérité, tout le monde t'applaudira. C'est comme ça les choses se passent. On a vu les artistes littéraires engagés en Afrique, ici, ce qu'ils ont fait, comment ils travaillaient, comment est-ce qu'ils mettaient en pratique leur engagement sur le terrain. C'était sur la vérité. Pour la majorité de ces artistes-là, c'est sur la vérité. On voit les règlements qui sont passés. On a vu Bon Marley, on a vu les Bitepach, etc. Leur engagement était sur la vérité et à 99%, ça parlait des problèmes sociaux de leur temps. On a vu Tikenja chanter ici la justice. Justice n'est pas faite pour nous seuls. Il criait sur tout le temps qu'on doit avoir la justice parce que les pouvoirs passés, ce n'était pas leur credo, la justice. Aujourd'hui, si le président de la République veut faire réveiller cette justice-là, si le procureur de la République veut se faire entendre pour faire justice, mais on ne doit qu'applaudir. Tous ceux à qui ils ont donné 20 ans, que Tikenja vient nous le dire, s'ils ne le méritent pas. S'ils ont des crimes de sang sur la main et qu'ils sont en prison aujourd'hui, vous voulez qu'on les libère sur quelle base? Et Tikenja même doit être très content de la décision du procureur de la République parce que lui-même paraîtrait que l'un de ses frères a fait lâchement assassiné par son nom et sa bande. Il devait être fier même de cette justice-là qui donne 20 ans au lieu d'assassiner. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? De toutes les façons, nous sommes droits dans nos boîtes. Nous avons décidé de défendre la justice, nous avons décidé de défendre la vérité et nous allons le faire. Qu'il arrête et que les gens arrêtent de n'importe où, qu'il va être arrêté, etc. On a vu des chansons pires que ça qui n'ont pas été censurées, ceux qui ont chanté n'ont pas été arrêtés, même si certains ont été entendus. Mais il faut que les choses se fassent dans la vérité. Et que le reste, c'est ce que j'avais voulu dire ce soir. Je ne saurais terminer sans souhaiter mes vœux les meilleurs à toute la classe, en passant par vous. Meilleure santé à tous ceux qui ne se sentent pas bien, en particulier Madame Blanc, au roi. Et je conclue pour m'ajouter au concurrent, à Sundiata, le concurrent, souhaiter vraiment vivement que cette année 2022 soit l'année même de la bonne gouvernance de ceux qui ont failli et qui ont été coupables, dont les preuves sont là. Il faut qu'ils soient sanctionnés et que tous les fonds soient rapatriés jusqu'au dernier centime. Merci beaucoup, éclaireur. Je dis bonsoir à toute la classe. Et encore une fois, mes vœux les meilleurs. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci pour ces belles paroles que tu as eues à dire, mais aussi teintées d'une vérité implacable. Et nous invitons le frère à reprendre rendez-vous avec la vérité et le bon sens. C'est vraiment très important. Parce qu'un homme dans une vie, on laisse toujours une histoire derrière nous. Et la honte ne fait pas partie de l'histoire de ses ancêtres. Qu'il aille se renseigner, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous donner aujourd'hui le nom, la signification du nom Dumbuya. Dans la tradition du Mandé, le mot Dumbuya signifie celui qui renoue avec le pacte. Et leurs ancêtres qui avaient ce nom, sinon ils ont d'autres noms par lesquels on peut les appeler, on les appelle aussi les Koromans. Qui veut aussi dire celui sur qui tout le monde peut essayer, mais qu'on échoue chaque fois. Mais par finir, c'est l'histoire de Dumbuya que je suis en train de dire, donner la signification. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas leur vrai nom de famille, ce n'est qu'un attribut. Et la signification de cet attribut-là, s'il est vraiment un Dumbuya, il doit savoir que son ancêtre, qui redonnait le pacte et qui redonnait confiance aux gens, à tel enseigne qu'on a dit, allez chez celui qui lit les pactes, Dumbuya. Et donc, si son ancêtre, dont il porte le nom de famille aujourd'hui, a été quelqu'un qui a posé des grandes actions au point de faire renouer avec le pacte de notre culture,
Je crois que lui ne doit pas mettre la honte sur ses ancêtres. On ne parle même plus de lui-même. Et j'espère que cette histoire va lui permettre de comprendre beaucoup de choses. Dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a des gens qui se... Il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont bien cultivées. Et donc, aujourd'hui, on ne peut plus venir dire n'importe quoi et penser qu'on va s'asseoir et ne pas être capable de confronter les vérités. Ça, il faut que Tikendia retienne ça. On n'est plus en 2000 où quand tu as chanté, tout le monde t'applaudit, ça passe. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Même les idiots sont là aujourd'hui. Les idiots même font de la philosophie sur Facebook, mais ça, on laisse ça. Mais il y a beaucoup d'hommes intelligents qui se sont adaptés aux réalités de leur époque, en plus de leur éducation qu'ils ont. Quand vous parlez aujourd'hui, M. Doumbia, prenez le temps de savoir que ces personnes intelligentes-là, ne venez pas insulter leur intelligence. C'est vraiment très important. Et je crois que cette expérience-là, quand lui-même va s'asseoir, il comprendra. Parce que ceux qui l'attaquent là, ce sont les gens qui l'aiment. Hein? Ça aussi, il faut que les gens comprennent ça très bien. Ceux qui attaquent Tikendia aujourd'hui là, c'est les gens qui l'aiment. Sinon, ce ne sont pas encore les opposants. Cher frère, il faut qu'on te dise ça. Et quand quelqu'un... Et puis, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la vérité, parce que tu ne peux pas sortir Tikendia pour venir dire que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux. Parce que s'il mentait là, il allait avoir des personnes comme nous pour dire non, 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 n'accusez pas le frère, ce qu'il dit, voilà, voilà, voilà. Mais c'est qu'aujourd'hui, tu as fait une fausse route. Il faut assumer ça. Et ce n'est pas à cause d'une chanson. Comme l'a dit le frère, on t'aurait censuré ou même interdit de rentrer dans le pays. Mais il y a des gens qui ont insulté le président, la mort du président. Après même, ils ont eu 200 000 euros. C'est pas toi qui vas dire quelque chose comme ça, on va te censurer. Ce n'est pas là le problème. Mais comme on le dit chez nous au pays, tu es en train de gâter ton nom. Et c'est ça qu'on est en train de te dire comme ça. Si tu veux, tu peux gâter ton nom. Ce n'est pas notre problème. Mais ça ne ressemble pas à tes ancêtres et ça ne doit pas te ressembler. Et donc, si tu veux être la tache noire de Doumbia, il faut continuer à agir ainsi. Tu verras aussi les résultats. Et si tu penses que les opposants pour qui tu voudrais attirer la sympathie, je te dis aussi que ces gens-là ne vont jamais t'aimer. S'ils arrivent à t'utiliser, ça serait très bonne chose pour eux. Mais même si tu chantais pour eux et que tu les blanchissais, ils ne vont jamais t'aimer. Ça aussi, il faut qu'on te dise en face. Et donc, nous, on n'a rien à perdre en te disant la vérité, cher Doumbia. Et on n'a rien à gagner aussi en te disant la vérité. Et donc, nous, on est à l'aise dans notre peau pour te dire que tu as fait fausse route. Tu es dans ton propre pays. À Bobola, c'est pour nous. À Bobola, c'est nos gars. Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas... Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas dire et traiter entre nous sans créer de bruit? On t'a proposé 4 différents endroits. Mais dis-nous la raison qui a fait que tu as refusé. Parce que jusque-là, tu parles, mais tu n'as jamais dit la raison qui a fait. Nous, on connaît. Nous, tout le monde connaît. Tous ceux qui sont sur la plateforme connaissent. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais comme pour dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle le bon sens dans la vie. Comme on le dit chez nous, à cause de quelque chose, on fait quelque chose. Si tu n'avais pas fait ça à cause du président Ouattara, il fallait faire ça à cause de Nabintou Cissé. Si tu n'avais pas fait ça à cause de Nabintou Cissé, il fallait faire ça à cause de l'histoire qui a fait qu'un jour toi-même tu as fui. Parce que ce que tu veux qu'on libère aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème, on peut les libérer. Mais toi, tu n'es pas au pays. Parce que ceux qu'on libère là, Gbagbo veut qu'on les libère pour qu'ils viennent reprendre le guerre à 10h du matin, 11 avril 2011. Pour Laurent Gbagbo, le monde s'est arrêté au 11 avril 2010, non 2011, à 10h. Donc, il faut que ça reprenne là. Mais toi, déjà, tu es en exil. Si on les libère, toi, tu vas pas subir les conséquences. Le président Ouattara peut se protéger. Ceux-mêmes qui vont insouffler le feu dans le pays, là, eux, ils savent comment se protéger. Mais et la grande majorité des populations. Donc, quand tu demandes qu'on les libère, là, quand on va les libérer, là, ça donne quelle leçon à notre société? Et les plus pauvres qu'on va soumettre à la mort, qu'est-ce que tu dis d'eux? Es-tu prêt à assumer ces facteurs-là? C'est tout ça qu'il fallait calculer avant de parler. Et donc,
Moi, je trouve que si tu es véritablement un Doumbouya, je dis un vrai Doumbouya, trouve les ressources en toi-même de présenter tes excuses aux autorités de la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui t'aiment. Cher frère, c'est vraiment important pour toi. Tu peux le faire comme ne pas le faire, ça n'engage que toi. Mais en homme intelligent, moi je trouve aujourd'hui que quelles que soient les difficultés que tu auras avec quelqu'un qui t'aime, après que vous vous êtes dit les vérités, il est mieux que vous puissiez mettre bas la terre pour évoluer ensemble. Parce que quel que soit C'est l'amour que ça. ton ennemi a pour toi là, ce n'est qu'une question de temps. Après, il va décider de ton cas. Et donc, c'est ce qu'on pouvait dire au frère, et on espère bien qu'il aura compris notre message et qu'il saura tirer quand même les bonnes leçons. Ouais, merci beaucoup, Il n'y a éclairé, pas de pour problème. cette analyse. Et vraiment, qu'Allah protège la Côte d'Ivoire. Amen, 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 amen. Qu'Allah guérisse tous ceux qui ne se sentent pas bien aujourd'hui. Amen, amen, Et vous-même, amen. portez-vous bien. Que Dieu Merci vous beaucoup. bénisse. Merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Bonsoir, cher frère. Monsieur Grand l'éclaireur. Oui, comment allez-vous? Ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous-même? Et les maillots? Les maillots, les chaos. C'est leur soirée, les Mao vont très bien et les Chao supportent comme des merveilles. D'accord. Et à ton niveau, ça va? Ouais, ça va, ça va, ça va, Dieu alhamdoulillah, ça va, ça va. merci. Dieu merci. Ok, je vais appeler pour intervenir un peu. Je vais prendre d'abord parti Kenya. J'ai un collègue, un frère qui me disait que la chanson qu'il a chantée, quand tu ouvres la bouche, tu es condamné 20 ans là. Entre condamné 20 ans et puis la mort, tu dis plus entre lequel qui est mieux. Bon, tout le monde sait la réponse. Puisque lui-même, il a appliqué la réponse dans sa vie. Si lui l'a fui, c'est qu'il sait qu'il n'allait pas avoir la chance d'être condamné. Il allait être condamné à la mort. Mais il n'aurait pas eu la chance d'être condamné en prison. Et donc lui-même, sa vie même démontre, donne la réponse déjà. Question encore par rapport à la nomination de Amontano. J'aimerais savoir, l'éclairer, quand il a occupé son poste aujourd'hui ou bien hier, quelle a été sa réaction? Quel sentiment il a vu par rapport à l'acte qu'il a posé? Je vous pose la question. Bon, officiellement, il a dit comme ça qu'il était très reconnaissant au président de la République et qu'il va tout faire pour mériter à nouveau la confiance du président. Maintenant, si on se base sur ces petites expressions-là, c'est ce que je disais ce soir-là. Lui-même, il vient de pisser sur sa dignité. Hein. C'est vrai, les gens peuvent dire ça ne nous plaît pas, ça nous fait mal. Mais frère, il faut que les gens comprennent quelque chose. On est en politique, hein. Le jour où il allait déposer son CV là, ce jour-là, moi-même, j'étais à la présidence là-bas. Donc, c'est des choses qu'on connaît. Mais ce qui est le plus intéressant dans l'affaire, c'est que l'homme a fini par avaler ce qu'il avait vomi. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'homme Ouattara est en train de montrer que c'est lui l'homme qui va mettre chacun à sa place dans cette politique ivoirienne avant de partir. Et donc, le président ne peut pas se tromper. J'ai vu certains qui ont dit, bon, c'est pas bien. Bon, même si c'est pas bien, il y a certaines choses que vous et moi, on ne saura jamais. Et il y a certaines choses qu'on ne dira jamais aussi. Mais sachez que quand le président pose un acte là, il a d'abord fait son calcul pour savoir la marge d'avantages et de conséquences. Mais une chose est évidente. Quand tu as pu mettre le monstre qui voulait te tuer dans ta poche, c'est que tu connais déjà son point fort et son point faible. Et c'est que tu veux l'utiliser pour quelque chose d'autre, pour atteindre un autre objectif. Et à Montano, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le poste de conseil de l'entente là,
En tout cas, pour ce qu'il a été et pour le voir aujourd'hui, c'est une coquille vide. Cette vérité-là, il faut que les gens la retiennent. Parce que, à part peut-être aider quelquefois quelques rares pays, donnez-moi quelque chose de positif que le Conseil de l'Entente a apporté dans les cinq pays-là. Non, peut-être que ça existe, hein. Peut-être que, voilà, mais c'est pour vous dire, tu étais le chef de tous les ministres. Et quand on dit que tu es le chef de la diplomatie d'un pays, là, frère, c'est très puissant. Ça veut dire que tu as accès à tous les grands décideurs du monde, indirectement. Mais aujourd'hui, à se retrouver à Abidjan, à diriger cinq pays pauvres, à être de façon nominative à la tête de cinq pays pauvres, mais ça sert à quoi? Mais comme tu sais, quand l'individu, quand tu as perdu ta dignité, même quand on t'insulte, tu ne comprends pas. Tu sais, quand on te dit, toi, là, il est l'heure de te lever, là. Tu es assis devant un plat et puis on te dit, il est l'heure de te lever, là. Ce que tu ne veux pas qu'on te dise, ça veut dire qu'on n'a plus envie de te voir en train de manger. Mais il y a des gens, là, même si tu leur dis, tant que tu ne tires pas l'assiette pour enlever, là, pour dire que toi, là, tu es un glouton, quitte, là, lui, il ne quitte pas. Un être humain dans la vie, il faut avoir de la modestie. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu en Côte d'Ivoire des individus aller dans les extrêmes? Mais aujourd'hui, il faut regarder quelle est la différence entre le cas d'Afinguesson et le cas d'Amontano aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent se lever encore pour donner, pour cela, est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent donner de la voix aujourd'hui et que les gens puissent les respecter? Non, là, ils ne sont pas crédibles, là, tu vois. Ce n'est qu'une institution qui n'est que l'homme d'elle-même. Et effectivement, si tu as suivi le texte que j'ai lu ce soir-là, j'ai dit comme ça que c'était un poste pour que son gombo puisse glisser. Voilà. Et donc, comme son gombo glisse, ça, même si tu l'insultes là, lui, c'est son ventre qui l'intéresse. Parce que prends tous les ministères qu'il a gérés là. Quel a été le résultat? Et donc, on l'a mis maintenant à un poste où il va devenir l'homme de lui-même. Et puis les gens ne retiennent pas quelque chose. Toute personne qui a voulu humilier Ouattara, Ouattara ne va jamais t'humilier, mais toi-même, ta vie même va te servir de tombeau. Parce qu'une fois, même s'il te dit que c'est fini, qu'il n'y a pas palabre, il ne va pas faire palabre avec toi. Mais toi-même, ta vie là, tu vas patiner dedans. Allez demander à Ben Soumaoro, allez demander à bien d'autres personnes. Ouattara n'a pas eu à prendre une sagaie ou un couteau pour aller lui dire non, 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 non. Et il n'est pas à son premier fait d'âme. Mais c'est que moi, j'ai dit une chose, à Montano, là, il ne va plus briller plus que ce qu'il a été avant. Et ça, Ouattara est très fort dans ça. S'il y a quelqu'un qui a le secret de ça, c'est Ouattara. Allez demander à Jean-Jacques Béchot. Une fois que tu as abandonné Ouattara, là, il ne va pas courir derrière toi, il ne va pas crier, il ne va pas t'insulter. Même si tu reviens, il va te dire reviens. Mais c'est que toi, là, tu ne vas plus être quelque chose qui va briller. Et c'est ça qui fait mal dans la vie d'un homme. Parce que chaque être humain a le désir de pouvoir se surpasser et de mener une vie qui puisse donner envie aux autres. Mais quand tu tombes pour devenir l'homme de toi-même, tu ne peux que t'accuser toi-même. Et donc, finalement, c'est pourquoi moi, je n'accorde aucune importance à ça. C'est quelqu'un qui va rester dans son trou, il va manger, et puis bon, ça s'arrête à ça. Sinon, après ça, il n'y a rien de nouveau. D'accord. Mmh. Merci beaucoup, le Kéré. Mmh. J'ai une autre question. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que les gars chantaient par rapport au 31 décembre, au 31 décembre. Je voulais savoir si vous avez des échos à ça, par rapport à ce que les gars disaient. Comme ça, on a vu le 31 décembre qui est passé. On n'a pas vu ce qu'ils voulaient faire. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Si vous êtes au courant de ce qui allait se passer. Mais pourtant, j'ai dit ça plusieurs fois ici, depuis que ça a commencé, ceux qu'on a arrêtés, comment ils ont été arrêtés. J'ai tellement parlé de ça ici. On a parlé de ça plus. Mais seulement que les gens ont réussi très vite à leur couper les racines à chaque moment qu'ils voulaient anticiper et faire certaines choses. Et même, tu te souviens, je t'ai dit qu'il y a le commandant militaire de Soro Guillaume qui était au Tchad pour recruter des gens, etc. Voilà, et puis deux ou trois semaines avant la fin de l'année, je t'ai dit qu'il y a des infiltrations du côté d'Abobo. Voilà, en fait, souvent, quand des choses sont trop chaudes là, on ne donne pas tous les renseignements à un coup. Mais les gens intelligents, les gens qui suivent nos directs,
peut faire rapidement les liens. Maintenant, on peut en parler. Okay. Et tout est géré. Voilà, tout est géré déjà. C'est le plus important. Okay, okay. Bon, merci beaucoup, l'éclairage. Il n'y a pas de problème. Il y a du monde. Je n'ai pas gardé l'antenne. Il n'y a pas de problème. Allez, salut tout le monde. Et salut tout le monde de l'autre côté là-bas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, bien les choses à la famille. Vous, à vous pareillement. Et vous passez une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Berthe le Cyclone, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va chez vous? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Et la famille, tout le monde se porte bien? Tout le monde se porte extrêmement bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, ça va. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Que Dieu nous protège. Amen, amen. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Amen. D'abord, éclairé pour vérité, je vous dis bonsoir. Et bonsoir à toute la famille. J'ai dit bonsoir à madame la chancelière, madame Ariel Dagri Diabaté. Que Dieu nous donne longue vie, la santé, tout ce qui est bon. Amen. Notre mémé a adoré. Et j'ai dit bonsoir à madame la première dame, madame Dominique Ouattara. Notre maman à tous. Que Dieu les protège tous. Que Dieu l'aide, parce que tout ce qu'elle fait pour la Côte d'Ivoire et nos enfants, que Dieu met la baraka dans tout ce qu'elle fait. Amen, amen. Ainsi que tous les mamans, les ministres, nos mamans qui sont au pays, partout au monde entier, que Dieu les protège tous. Et j'ai dit bonsoir à monsieur le président de la République. Je salue toute la classe. Que Dieu donne la santé. Tout le monde. Je dis bonsoir à ma maman Blanc. Pour tout ce qu'elle fait. Pour tout le monde. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Éclairé, avant de commencer, je dis comme ça. Mon frère qui vient de chanter en Sénégal, vraiment, merci beaucoup. Je vous dis, ce que Éclairé m'appelle la dernière fois, vous avez dit, mais vous avez senti. Attends, sinon maman vient là. Éclairé va nous laisser. Monsieur Berthe, moi je vous ai abandonné parce que notre voix là, nous, la cassette là, on pourra pas vendre. Et je dis merci beaucoup à ma sœur de côté Djida. Djida, à chaque fois que j'écoute la musique, vraiment je sens quelque chose, mais je sais pas quoi vous expliquer. Franchement, merci beaucoup, ma sœur. Moi je me suis renseigné. Sur le sens de ce qu'elle disait, et elle a dit des choses très importantes. Elle a dit comme ça que depuis que le président Ouattara est arrivé, qu'il y a le développement qui a atteint les régions les plus reculées, et qu'aujourd'hui tout le monde peut voyager. On ne dit plus des paroles blessantes aux uns aux autres, et qu'aujourd'hui tout le pays s'est retrouvé et que tout le monde vit en paix. Elle a dit des choses vraiment très importantes qui doivent amener les gens à réfléchir. Alors que c'est des petites choses, hein, mais les gens n'avaient pas ça. Leur dignité. Et aujourd'hui, grâce au président, les gens ont leur dignité et aujourd'hui même, tout le monde veut devenir milliardaire. Ce qui n'est pas mauvais. Mais il faut savoir qu'un combat, c'est graduel. On ne peut pas faire tout un combat un coup. C'est petit à petit. Et le président Ouattara a déjà fait beaucoup. Mais c'est à nous de consolider le reste et de créer parmi nous-mêmes beaucoup de Ouattara. Voilà la seule manière de neutraliser cette opposition-là. Si on avait trouvé trois... Voilà, ce qui fait qu'on allume nos cadres là. C'est qu'eux, ils ont la chance d'être auprès du vieux, mais ils n'apprennent rien. C'est à cause de ça. Le vrai problème qui est là, il faut qu'on vous dise là-bas, c'est ça. Nous, on aurait aimé que vous sortiez pour dire, ah, voilà, ils font concurrence, tout le monde veut ressembler à Ouattara. Voilà le vrai problème qui est entre nous. Comment toi, tu es là? Tu es dans la cour de ton papa. Tout le monde dit que ton papa a travaillé. L'héritage qu'il t'a laissé là. Toi, tu viens voler ça ou bien tu veux détruire ça. Pour dire, ah, le jour que le vieux meurt là, moi j'ai déjà mis quelque chose à côté. Ça, c'est enfant ça là. Et
on essaye de vous conscientiser. Vous pensez que vous êtes devenu le plus intelligent. Et donc, c'est ça le fond du problème. Et donc, nous, on va continuer à dire ce qu'on a à dire parce que nous, on croit en un idéal. Et nous, on sait qu'on est sur la terre des hommes. Quand tu te bats pour quelque chose, tu finis par l'obtenir. Et ça, c'est important. Vous avez la parole. Merci beaucoup, éclairé. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est ça. Mais pour dire que les gars vont finir par comprendre, parce que d'abord, éclairé, je vous dis merci. Sur le réseau même, vraiment, ça commence à aller doucement, doucement. Mais ils ont du mal à accepter, mais ils sont obligés, tout le monde est obligé de s'indigner. C'est côté, je vous dis merci. Merci de nous avoir éclairé. Et éclairé, hier, j'ai dit quelque chose sur l'antenne, devant le monde entier, et je suis responsable de ce que j'ai dit, et j'assume. J'ai dit quelque chose concernant les parents de Boaké. Oui, oui. Et j'ai dit devant le monde entier que j'allais envoyer les preuves. Effectivement, ce soir, je viens, je dis encore. Tous les preuves, je n'ai pas encore réuni. Ok. Mais, de toutes les façons, Inch'Allah, bientôt, on va parler de ça. Les preuves vont venir sans problème. Il n'y a pas de problème. Y a pas... Sinon, ce soir aussi... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texte aussi. Et ce texte-là aussi donnait un peu les idées pour lesquelles on était en train de parler. Je ne sais pas si vous voulez que je lise ça. Peut-être que ça va vous permettre de comprendre un peu aussi. Et ça va permettre aussi aux autres de comprendre. Et le texte vient de Kevin Mian, CNJA-CI. Et voilà ce que le texte disait. Avant l'attaque de notre éveil de conscience, qui s'établira tout le long de l'année, je reviendrai sur des positions en guise de rappel avant le déploiement de la campagne du CNJA-CI. En effet, Monsieur le ministre Mamadou Touré, depuis plusieurs années, nous constatons que vous faites un minimum d'efforts dans le secteur de l'entrepreneuriat et c'est à encourager. Mais, en toute franchise, ce n'est pas assez. La plupart des financements que vous octroyez grâce à l'argent du pays doivent être utilisés également pour l'emploi durable, oui, l'emploi durable, et non les emplois temporaires, car après de nombreuses années, vos emplois financés avec l'argent du pays ne tiennent plus encore la route pour la plupart. Sur plus de 10 000 financements, quels sont les retours ? Voilà la première question. Combien d'entreprises financées ont pu re-embaucher d'autres jeunes à leur tour afin de pérenniser ce système? Voilà encore une deuxième question. En grande partie, vous avez transformé la jeunesse en fermier, en électricien, et etc. Ce n'est pas mal. Mais pour être compétitif, je vous invite à jeter un regard sur le modèle économique des autres pays du monde, surtout la Chine, qui est axé sur l'innovation technologique, le développement commercial à l'extérieur, l'intelligence artificielle, l'énergie renouvelable, le tout basé sur la forte participation, le bon financement de sa jeunesse. Une fois bien organisé grâce à la mise en place d'usines, de centres de fabrication et de recherche de partenaires extérieurs, nous pourrons avoir de l'avance. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la révolution technologique. Adaptons-nous et exploitons les grandes villes du pays, car tout est concentré que sur Abidjan. À toute fin utile, Abidjan n'est pas la seule ville de la Côte d'Ivoire. Vouloir quasiment tout concentrer ici favorise la saturation d'Abidjan. Déployer l'entrepreneuriat durable dans tout le pays permettra de sentir une meilleure croissance économique avec un PIB très élevé par ville, je dis bien par ville, qui fera de nous de véritables numéro 1 en Afrique. Bravo pour ce que vous avez déjà fait. Très bonne année à vous. Et pour 2022,
Laissons les poulets respirer, signé Kevin Mian, CNJACI. Et donc, l'article en question retraçait un peu les grandes questions que nous nous posons. Et effectivement, il y a quelques jours, puisqu'on n'a pas encore eu les preuves qu'on recherche, et donc, chaque fois, on nous dit, référez-vous au site. Mais sur le site, quand tu vas là-bas, tu ne retrouves pas les contacts de ceux qui ont été aidés. Et je ne sais pas pourquoi on ne peut pas avoir contact à ces, on ne peut pas avoir les contacts de ces personnes-là aujourd'hui. Et je me demande pourquoi ces contacts-là, on ne les donne pas, parce qu'on aurait bien voulu vérifier. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir ces contacts-là? Ou bien qu'est-ce que ça cache? Voilà autant de questions qu'on peut répondre. Parce que mettre simplement des numéros et mettre des informations, tout le monde peut le faire. Mais ce qui peut faire qu'on pourra toucher ces personnes-là, à défaut de mettre leur numéro de téléphone, on peut mettre au moins leur email, ce qui sera encore plus facile. Mais en tout cas, il faut un contact de ces personnes-là pour que ceux qui veulent vérifier puissent le faire. Moi, voilà au moins quelques appréciations. Peut-être qu'il y a certains qui vont venir infirmer ou confirmer ce que je disais. Mais comme je le disais hier, notre problème n'est pas un problème d'ordre personnel avec Mamadou, mais nous sommes inquiets pour l'avenir de notre jeunesse. Et nous sommes aussi inquiets pour le financement, parce que c'est nous, les Ivoiriens, les contribuables, à la fin de la journée, qui allons payer ces sommes-là. Et c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui posent des questions, et c'est pourquoi nous en parlons chaque fois, pour que les gens essayent de comprendre. Donc, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, éclairé pour vérité, de nous avoir éclairé. Vraiment, je vous dis merci, 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 que Dieu donc met la paracade dans tout ce qu'on fait. Amen, amen. Et que Dieu nous protège, Dieu protège nos familles, ainsi que la Côte d'Ivoire et le président de la République. Et éclairé, pour finir, je voulais lancer un message. Notre papa, le président de la République, c'est quelqu'un de vrai. Et toujours, quand on dit il est vrai, c'est même pas le mot. En un mot, c'est un savant, c'est un diétonnier. Et pour tout la Côte d'Ivoire et tout le monde entier. Le président a expliqué un peu de son histoire lui-même. Chacun d'entre nous doit tirer des leçons dedans. Très peu de grandes personnalités au pays qu'on connaît leur vie réellement. Parce que, si tu vois, on ne connaît pas trop qu'on nous informe, c'est parce qu'il n'était pas vrai. Mais le président, il a été vrai, lui-même, il a dit. Je prends un seul point. Il a dit qu'avant, il a roulé taxi. Tous les Ivoiriens peuvent témoigner. C'est venu de lui, même. Pour dire quoi, c'est le travail qui paye, le travail d'abord. Et le président, il est conscient de ce qu'il fait. Pour qu'un homme travaille, il faut l'aider. Parce que lui-même, il a été aidé. Donc, quand il met quelque chose en place, c'est tous ces moyens qu'il met en place. Moi, de ma manière de voir, et analysons ensemble tous. Mais la majorité des Ivoiriens qui se plaignent que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. En tout cas, ils sont là, c'est des Ivoiriens. Il y a un programme pour eux. C'est ça qu'on ne comprend pas. Mais maintenant, on a décidé de comprendre. Sortez, venez nous dire quelque chose, présenter quelque chose, on va voir, et puis on va avancer. Donc, éclairer, pour ne pas trop partir, mais je serai obligé de partir, mais pas aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de personnes en ligne. Ou ce soir, vraiment, je vais m'arrêter là, aider le président pour qu'il puisse nous aider. C'est pour nous et les enfants. Assortons-nous si la vérité, les mensonges ne vont pas nous amener à quelque part. Il faut qu'on soit sincère entre nous. Monsieur le ministre, je m'adresse à mon ministre, ministre Mamadou Touré. Vous êtes chargé de notre avenir. Faites un
faut que les Ivoiriens voient clair dedans. Il faut nous faire parvenir comme ça. On va voir. On va avancer. C'est ce qu'on a demandé. Donc, éclairé, je vous dis encore merci. Que Dieu donne la santé à tous les frères. Tout le monde est malade actuellement. On demande à Dieu que Dieu donne la guérison à tout le monde. Amen. Que Dieu épargne à tout le monde de ces sales maladies. Amen, amen, amen. Que Dieu nous donne tout ce qui on demande qui est bon. Que Dieu protège nos familles. Amen. J'ai dit merci à tout le monde. Merci à éclairer. Vraiment, c'est ce qu'il voulait dire ce soir. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, ici à l'écoute éclairée. Je crois que vous avez dit l'essentiel et ce que je peux vous dire, c'est merci à vous-même et merci pour les bénédictions que vous avez eues à faire. Restons nous-mêmes. Parce que si on veut ressembler aux autres, on ne sera plus quelqu'un. Faisons ce qu'on a à faire. Et comme je le dis, le temps, c'est un honneur de Dieu. Et le temps va dire qui est en train d'aider. Tout ce qu'on est en train de faire là, un jour qu'on le veuille ou pas, la vie c'est un cercle. Et ça tourne autour. Un jour, selon les circonstances, il sera reconnu qu'il y a des gens qui sont restés eux-mêmes et des gens qui sont restés dignes. Faisons l'effort d'être parmi ces personnes-là. C'est ça qui est le plus important. Et nous, on peut lever la tête partout. On a la conscience tranquille. On n'insulte pas quelqu'un. On n'accepte pas des propos sans preuve. Et on dit profondément et clairement ce qu'on pense. Pour moi, c'est le plus important. Parce que nous ne sommes pas des enfants, on ne va pas accepter de sacrifier notre temps pour venir dire n'importe quoi, pour faire plaisir aux gens ou bien pour se faire plaisir. Ce n'est pas ça l'objectif de cette plateforme-là. Cette plateforme-là, c'est pour éduquer et ouvrir les esprits. Continuons à faire notre travail. Ceux qui ne veulent pas, parce qu'il est difficile pour eux de s'adapter, le temps va leur permettre de savoir qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller sur le chemin de la droiture et de la vérité. Et ça, c'est important. Et donc, soyons les pionniers qui allons les contraindre à aller sur ce chemin-là. Merci beaucoup à vous. Et vous passez une excellente soirée. Vraiment, merci vous. Merci, éclairé. Merci. À vous également. Merci. Et à toute la classe. Merci beaucoup. Et bien des choses à toute merci. La famille. Bonsoir, cher aîné. Bonsoir, éclairé. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous-même? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Et la famille? La famille va très bien. Que Dieu merci. Mm-hmm. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter prompt rétablissement à toutes les Mao et tous les Chao qui se sentent mal actuellement à cause de la situation. Merci beaucoup. Bon, j'aimerais me prononcer sur le cas Mamadou Touré, parce que hier, quand on a fini l'émission, je me suis précipité sur mon ordinateur pour pouvoir rentrer sur son site, vérifier, comment on appelle, les données. Mais bon, je me suis dit mais, que c'est moi, j'étais un peu stupide. J'ai même pas appelé, puisque je ne trouvais rien, j'ai même pas appelé le roi du printemps. Pour voir s'il avait trouvé aussi des données fiables, mais lui également, il n'a rien trouvé. Et c'est le même lien que vous m'avez envoyé en inbox. Et je constate que ce sont des données brutes. C'est-à-dire que ce sont des données qu'on ne peut même pas interpréter. Puisque, bon, il a donné des... Comment on appelle ça? Ça, c'est bon quand même. Mais on n'a pas de numéro par lequel on peut joindre les récipiendaires, enfin les bénéficiaires. Donc on ne peut pas faire d'analyse sur ces données-là. On ne peut rien faire. Je crois que Mamadou Touré est dans une logique de... Je ne sais pas, parce que vraiment, pour quelqu'un qui veut donner et qui veut que sa crédibilité soit sur de tout le monde, il doit pouvoir mettre toutes les informations
pour que tout le monde, tous les Ivoiriens aient accès, parce que vraiment, il faut dire qu'il a accès à beaucoup de sous, beaucoup d'argent, qu'il peut utiliser pour aider les jeunes de la Côte d'Ivoire. Pas seulement leur donner de l'argent, mais essayer quand même, premièrement, en primo, de créer des conditions de formation avant de leur peut-être distribuer cet argent. Mais j'ai l'impression que M. Touré est dans une logique de mauvais travail, je pense. Hein. Mais s'il m'écoute, M. Touré, ministre de la Jeunesse, si vous avez la possibilité de nous fournir des données fiables, de sorte qu'on peut les vérifier et de sorte qu'on peut rentrer en contact d'une manière ou d'une autre aux bénéficiaires de ces fonds-là que vous disposez. Parce que là, c'est inacceptable de ne pas pouvoir vérifier les fonds les fonds des contribuables ivoiriens que vous disposez. C'est vraiment inacceptable. Donc, si vous m'entendez, Monsieur le ministre, avec beaucoup de respect, vous pouvez nous envoyer, s'il vous plaît, les données fiables pour que nous vérifions vos projets qui sont viables. Parce que vraiment, on ne voit rien sur votre site qui soit vraiment qu'on peut vraiment interpréter. Donc, c'est ce que je viens aussi concorder ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Leclerc, quand vous avez lu l'article de Kevin Mia. Je m'apprêtais même à le lire, mais vous avez lu quand même avant moi. Donc c'est bon, mais ça prouve que l'article là prouve que vraiment il n'a pas fait grand chose jusqu'à ce jour. Donc j'aimerais que Monsieur le ministre que vous fassiez encore plus d'efforts pour pouvoir mettre la jeunesse ivoirienne au travail. Si. Et donc pour vous remplir les poches et pour vous grossir le ventre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire ce soir, Monsieur Leclerc. Il n'y a pas de problème. Et surtout, l'impératif de transparence est très important. Parce que ce sont des fonds. Aujourd'hui, on va dire, mais pourquoi tu veux le numéro de ces personnes? Mais pourquoi ces personnes sont allées prendre des fonds publics? Parce que les fonds qui ont été pris là, c'est au nom de tous les Ivoiriens. Et si on a eu à donner à certains, c'est que chaque Ivoirien peut demander à comprendre l'utilisation et la finalité de ces sommes-là. Et c'est au nom de ce droit-là, qu'on se permet de dire que nous autres aurions souhaité qu'il y ait des points d'attache avec ces personnes. Sinon, me dira-t-on qu'on finance des gens et on ne sait plus où ils sont dans la nature? Je crois que c'est serait la chose la plus bête. Et donc, je crois que ces informations-là, ils les ont. Et on attend au moins que ces informations-là soient en conformité, parce que ce qu'ils oublient, c'est que peut-être il y a des structures indépendantes qui voudraient faire et des analyses, mais quand elles se retrouvent en face d'un tel événement où ce que le ministère a dit, on ne peut pas vérifier sur le terrain, elles ne vont pas prendre le temps de se fatiguer. Elles diraient, mais c'est des données qui sont inexploitables, et connaissant les pays bananiers comme la Côte d'Ivoire et autres, c'est vite fait de comprendre que tout allait dans la corruption. Et donc, nous n'allons pas vite fait d'aller en besogne. Je crois que nous sommes entendus parce que nous disons, et je crois que s'ils peuvent mettre les numéros ou bien même les contacts e-mail, c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début pour pouvoir contacter au moins ceux qui ont pris l'argent du contribuable. Et on va essayer de faire des analyses et de voir un peu de quoi il est question. C'est vraiment important. Et merci pour ce que vous faites. Et j'ai dit aussi aux Ivoiriens, nous participons même à l'émergence d'une société où chaque citoyen sera capable de voir les choses et de les comprendre. C'est vraiment très important. C'est très important. Et donc, ne pensez pas que c'est un combat qui est seulement sur la plateforme. Ceux qui peuvent nous aider, moi, je sais qu'il y a d'autres documents qui sont en arrière-plan. Nous, on n'a pas encore accès à eux. Mais Monsieur Mamadou, moi, faites-moi confiance. Je vais tout faire pour rentrer en contact de ces documents-là. Sauf si je n'en trouve pas, je vais me renseigner au maximum pour avoir certains documents et les confronter avec ce qui est sur la page. Parce que ne pas être capable de donner les contacts, ça cache beaucoup de choses pour nous autres. Beaucoup,
ça cache beaucoup de choses. Et en toute sincérité, sans vous mentir, nous pensons qu'il y a un fort soupçon de corruption et de malversation. C'est ce qu'on pense. On n'en a pas encore les preuves. Mais c'est ce qu'on pense. Et de là, si vous nous entendez, ça devrait écorcher votre dignité et votre honneur. Soit vous invitez les élèves de la classe et on va aller pour vous montrer ce qu'on pense. Et si vous pensez que vous pouvez nous donner les informations pour qu'on puisse les faire. S'il n'y a pas de problème, nous serons les premiers à venir dire qu'il n'y a rien de mauvais. Qu'est-ce que nous avons à perdre? Surtout que vous travaillez pour le président Ouattara. Notre objectif premier n'est pas de vous mettre dans le feu, loin de là. Mais cela ne sera aussi occulter la volonté de transparence que nous voulons voir dans la gestion des choses de l'État. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Quand on regarde aujourd'hui le délitement même de la jeunesse et beaucoup de vos militants même qui n'arrivent pas à avoir les financements face à leurs projets, comme disait M. Berthe hier, c'est des signes qui nous interpellent pour nous dire, mais est-ce que l'argent est allé là où il fallait? Et cette question-là, elle est lourde de conséquences. Si l'argent n'est pas allé là où ça devrait aller, ça veut dire que l'argent est allé là où il ne fallait pas. Et si tel est le cas, nous n'allons pas aussi hésiter à chercher à comprendre. Moi, j'ai déjà des informations en amont, ça je ne vous mens pas, du côté de la Suisse et autres. Et M. Fadiga, peut-être vous savez de quoi je parle. Voilà. Mais c'est tout ça qu'on veut vérifier pour voir est-ce que c'est vrai. Voilà. On veut vérifier d'abord. Sinon, on a déjà des informations en amont. Mais on préfère prendre en bas pour remonter, pour bien voir. Et donc, si vraiment il n'y a pas de problème, et que vraiment vous êtes propre comme nous le souhaitons, et que nous le souhaiterions, essayez de mettre les numéros ou les contacts de ces personnes-là. On va rentrer en contact avec ces personnes, vérifier la viabilité de leur projet et savoir sur le nombre total combien de projets ont été viables, combien de projets après leur viabilité ont pu embaucher d'autres personnes et où on en est avec les montants qui ont été donnés. Parce que de façon globale même, on aurait pu prendre les sommes, faire un truc global et puis voir. Et puis essayer de voir maintenant les pertes qui ont été faites sur le terrain. On va connaître déjà le trou même parce que s'il y a au moins 10 000 entreprises qui ont été créées sur papier, mais quand on retrouve que c'est peut-être 3 000 qui ont réussi, et donc les 7 000 qui n'ont pas réussi, il y a des raisons. Les raisons ne peuvent pas être uniques. On comprendra chacune des raisons. Et les raisons qui ne tiennent pas la route, c'est sur ces raisons-là qu'on va se baser. Et donc, on ne fait pas vite d'accuser ou bien de mettre votre travail en doute. Mais nous vous disons qu'aujourd'hui, en toute sincérité, surtout vu la volonté du chef de l'État d'assainir les choses, je crois que, étant le ministre de la Jeunesse, vous devrez assainir les mentalités des jeunes en montrant votre gestion rigoureuse propre pour mettre les jeunes en confiance. Ce serait vraiment une chose qui pourra vous propulser et c'est ça notre premier objectif. Voilà ce qui est bien dit. Je l'espère bien. J'espère que Monsieur le ministre va nous attendre et pouvoir nous procurer des données vraiment, comme on le dit, fiables, en sorte qu'on puisse vérifier la transparence. D'accord, monsieur l'éclaireur, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup pour votre détermination. Mais ne lâchons pas, continuons. Non. Mais vous savez que... dans son dernier retranchement. Mais vous savez que cette plateforme-là... Il y a quelqu'un qui l'a dit ici, quand on s'attaque à quelque chose, c'est qu'on a déjà quelque chose en main. Oui. Sinon, oui, il y a beaucoup de ministres. Quand on prend quelqu'un par son nom, quand on dit à quelque chose, c'est qu'on sait de quoi on parle. Oui. Mais on joue les ignorants ou on fait le jeu, c'est tout. Sinon, on sait de quoi il est question. Voilà. On veut vérifier pour qu'on dise, on ne dise pas que non, c'est, vous êtes contre quelqu'un. C'est pourquoi on veut vérifier. Sinon, on a déjà certains résultats sur nous ici. Mais on veut vérifier parce qu'il faut toujours donner le bénéfice du doute. Et moi, je le dis à tous les élèves de la classe, ne lâchons pas l'affaire jusqu'à ce qu'on ait les vérités qui peuvent nous convaincre et qui peuvent satisfaire les Ivoiriens. C'est très important. Effectivement. En ce qui concerne un dernier point, le sonateur a commenté le discours aberrant de M. Zéro en ce qui concerne Sidiki
Konaté. Est-ce que c'est vérifié que c'est... Est-ce que c'est vérifié qu'effectivement c'est lui? C'est une question que je vous pose, quoi. Oui, et même, et même, oui, et même sur l'article, il s'est fait appeler compte supprimé. C'est grave. Il s'est fait appeler compte vous supprimé. Vous savez, ce monsieur, on a fréquenté ensemble, monsieur Leclerc. Je ne sais pas si vous le savez. Monsieur on Zéro. A fait le lycée de moi ensemble. Monsieur Zéro. Ou bien. Non, non, pas monsieur Zéro. Ou c'est lui qui connaissait. Ou bien Boulkassou. Non, il a un autre nom, non? Oui. Un nom de code, là. Oui, c'est, si je ne me trompe pas, je l'ai dit, c'est Boulkassou ou quelque chose comme ça. Non, mais un truc comme ça. Ah oui, selon l'article. Oui, oui. Ce monsieur-là, je doute très fort de lui, quoi. Mm-hmm. Mais bon, on attend de voir si c'est vraiment vérifié. En tout cas. Sinon, effectivement, ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'on te dise la vérité. Quand tu es quitté dans le gouvernement, là, en tout cas, je te dis ce que nous, on ressent. On ne t'accuse pas, mais souvent l'intuition d'une personne intelligente peut la tromper rarement. Dès que tu es quitté au gouvernement après le remaniement, là, Chris Yapi a perdu ses yeux, ses oreilles. Et puis avant cet incident, il y a quelqu'un qui t'avait gravement accusé, notamment Makosso. Quel intérêt avais-tu à ne pas confronter Makosso à la justice? Et par plusieurs fois, je te l'ai dit, en ne prenant pas attache et rendez-vous avec la justice, est-ce que tu ne cachais pas quelque chose? Et Makosso le dit partout. Moi, je l'ai suivi il y a deux semaines, là où il a parlé du gibier. Il s'est défini quand on lui a dit de dire qu'il est. Il a dit comme ça, je suis celui-même qui a pu détruire Chris Yapi et l'exposer. Et donc, il utilise même ça comme une fierté. Et donc, M. Sirik, il y a des coïncidences qui mettent mal à l'aise et qui finissent par nous convaincre que vous n'êtes pas en réalité quelqu'un qui travaille avec le gouvernement. Monsieur Bassalkou. Voilà, Bassalkou. Oui, Bassalkou. Effectivement. C'est voilà. Et donc, aujourd'hui quand même, moi je ne sais pas si les autres Ivoiriens ont pu savoir ça, mais depuis que Sirigui Konaté est quitté dans le gouvernement, en tout cas les petites histoires où Chris Yapi dit qu'il y a eu conseil des ministres, à part quand il y a plus deux personnes, il n'y a personne qui est rentré avec téléphone. Le président Ouattara est comme ça, il avait mal à la dent. Toutes ces petites histoires se sont arrêtées automatiquement. Est-ce que ce n'est pas bizarre? Parce que si on suppose que c'était quelqu'un d'autre, mais en tout cas, la réalité nous montre le contraire aujourd'hui. Et donc, ça amène les personnes intelligentes à se dire qu'est-ce que vous n'êtes pas en train de travailler en collaboration avec Soro Guillaume, contre le gouvernement. Voilà beaucoup de questions que les uns et les autres se posent. Et votre silence ne vous aide pas. Il faut que vous puissiez vous déterminer en disant, voilà la réalité. Et sinon, le document en question, moi je l'ai reçu depuis il y a au moins 3 ou 4 jours, avant que ça ne paraisse sur les réseaux sociaux. Et par mesure de prudence, j'attendais d'abord pour voir. Mais effectivement, selon l'article qu'on a lu aujourd'hui là, quand tu lis très bien, tu comprends très bien que compte supprimé, c'est Soro Guillaume lui-même qui était en train de donner des directives et des ordres à son directeur de communication et qu'il fallait partager avec d'autres personnes. Et c'est vraiment malheureux. Je crois qu'un homme dans la vie, il faut chercher à progresser. C'est vraiment important. C'est vraiment malheureux. Vraiment malheureux. Avec tout ce qu'il a eu de ce gouvernement-là et qu'il a encore dans ces bassesses-là, vraiment, c'est vraiment dommage, dommage. Mais je crois que la justice, si vraiment ils savaient qu'il est fautif, il faudrait qu'il réponde hein, de ses actes. Ça vaut la peine. Tôt ou tard, parce que, ça vaut oui, la peine. Parce que là, il y a trop de laisser-aller. C'est ce qui provoque tout cela. Effectivement. Je pense, hein, effectivement. À mon sens. Effectivement. D'accord, je ne vais pas prendre trop votre temps. Je vais laisser la place aux autres. Il n'y a pas de problème. En vous souhaitant passer une très bonne soirée et de vous protéger contre ce phénomène de COVID-là qui nous gêne beaucoup. Effectivement. Bon établissement encore à Madame Blanc, à tous ceux qui se sentent mal actuellement. Merci. Ok, je vous remercie. Et vous passez une excellente soirée. Merci à vous également. Merci je reste à l'écoute. Ok.
Oui, bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Très bien, vous-même? Ouais, je vais bien. Aujourd'hui, ça va. Il y a du mieux. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Donc, du coup, je prends toujours le sujet en cours. Donc, j'aurai le temps de regarder la diffusion, la rediffusion des thèmes que tu as développés. Donc, je vais me baser un peu sur les différents auditeurs pour pouvoir me prononcer. Il n'y a pas de problème. Donc, pour commencer, bonsoir à tous les élèves de la classe. Merci. Et donc, vraiment, ce que je comptais dire ce soir, c'est au sujet du ministre Touré Mamadou. Ça fait un bon moment que nous sommes sur cette plateforme-là et nous demandons à ce que certaines personnes qui se plaignent dans l'ombre de nous apporter certaines preuves. Ce n'est pas comme si nous, on n'a pas déjà quelque chose sous la main. Ce que nous, on a sous la main aujourd'hui, même moi, je me suis rendu sur le site de l'emploi jeune. Vraiment, je vois rien, 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 rien de concret sur ce site-là, rien de fiable sur ce site-là, pour qu'on puisse essayer de le dédouaner un tout petit peu. Parce qu'il y a tellement de défaillances dans la répartition de ces fonds-là, qu'aujourd'hui, en toute sincérité et clair, moi, aujourd'hui, je peux affirmer que réellement, il y a eu détournement des fonds. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment vous pouvez donner de l'argent à une personne en mettant à la disposition des gens le numéro de téléphone de ce dernier-là. Mais attends, si ce dernier-là change de numéro de téléphone, comment on fait pour le joindre? Et qu'il disparaît avec l'argent, comment on fait pour le joindre? Donc, tu vois, éclaireur, si vous voyez que le système il est comme ça, il est ambigu, c'est parce qu'il y a des gens qui profitent de ce système-là. Effectivement. Et Mamadou Touré, il en fait partie de ces personnes-là. Moi, je viens tout de suite, hein, il n'y a même pas fait de dire présomption d'innocence. Moi, je me dis aujourd'hui, si le système a une telle défaillance au niveau des répartitions des fonds, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui en tire profit, c'est-à-dire c'est lui. Et même, j'irai encore plus loin dans mes propos. Mamadou Touré, si tu m'écoutes, tu fais partie de ces personnes-là qui sont responsables de la mort de ces jeunes-là qui ont été manipulés lors de la désobéissance civile. J'en fais partie de ces personnes-là. Parce que même le président de la République, il s'est plaint. Il a dit comment est-ce qu'on a pu manipuler ces jeunes-là avec tout le gros travail que lui est en train de faire. Donc ça veut dire quelque part, tu es responsable de tout ce qui s'est passé pendant la désobéissance civile. Il ne s'agit pas d'aller s'arrêter devant des meetings et dire aux gens que non, je réponds à Damanaki Picasso, non. En fait, moi aujourd'hui, Mamadou Touré, je dis que tu es responsable des victimes de la désobéissance civile. Si ces jeunes-là ont été manipulés, c'est parce que tu n'as pas fait ton travail. Et même, tu es encore responsable de tous ces jeunes-là qui sont morts dans la Méditerranée. Tu es responsable parce que ces fonds-là n'ont pas été bien gérés et ces fonds-là, vous êtes accaparés de ce fonds-là, vous, de telle sorte à ce que cette jeunesse-là puisse encore toujours périr dans cette misère-là. À un moment, il faudrait qu'on utilise les mots pour dire à ce dernier-là. Ça fait plusieurs émissions, éclairées qu'on fait des émissions là-dessus. Avec du recul, j'essaie de comprendre les choses de telle sorte à ce que je puisse me prononcer. Mais après tout ce qui a été dit, et après moi-même, les recherches que j'ai effectuées sur ces fonds-là, vraiment, je trouve que ces fonds-là, il y a eu une mauvaise répartition là-dessus. On n'a même pas besoin de preuves. Mais de la seule chose qu'on demande à ces jeunes-là, c'est qu'ils viennent dire réellement ce qui se passe. Maintenant, vous connaissez la mentalité de nos jeunes. Si c'est de l'argent qu'ils ont eu de façon facile, sans qu'on leur demande un compte, lui, ça lui suffit, c'est pour son ventre. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils profitent de cette situation-là, de cette mentalité qu'ont nos jeunes aujourd'hui pour pouvoir se maintenir à ce poste-là. Sinon, le président de la République était clair. Il a été la première personne à taper sur la table. Comment est-ce que les jeunes de ce pays-là sont manipulés avec tout ce qu'ils lui font? Donc, éclaireur, on n'a même pas besoin de dire tel jeune vient, tu vas donner les preuves, tout, tout, tout. Nous, on est convaincus que ces fonds-là ont été détournés. Moi, personnellement, je suis convaincu que ces fonds-là ont été détournés. Et puis maintenant, ce que moi je propose aux dirigeants de la Côte d'Ivoire, moi, j'aurais souhaité que tous ces fonds-là, ce ministère-là, qu'on ferme ce ministère-là, il ne faudrait plus que ça existe, on trouve un mécanisme de telle sorte à ce qu'on crée une banque pour l'emploi en Côte d'Ivoire.
Et ça veut dire que le jeune qui a son projet, et que son projet vraiment est viable, ça passe d'abord dans une banque, et c'est cette banque-là qui décide de le financer ou pas. Ce ministère-là, moi je veux qu'on ferme, on ferme ce ministère-là, parce que ça ne sert à rien. Ça nous crée énormément de problèmes au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, éclairer souvent, vous vous prononcez un peu si les attaques ont été déjouées. Mais est-ce qu'il n'y a pas des militants RHDP, des jeunes qui font partie de ces tentatives de déstabilisation-là? En tout cas, on commence à voir beaucoup qui s'inscrivent dans, voilà, ces actes-là. Voilà, mais pourquoi on a beaucoup de, militants RHDP? En plus, ce sont des jeunes. Parce que ce ministère est mal géré. Ce ministère est très mal géré. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, nous-mêmes, on donne le couteau à nos militants, seulement le président de la République, à cause des personnes comme Mamadou Touré. Donc, éclairer, ces jeunes-là, ils ont eu de l'argent. Même si c'était 10 millions qui leur étaient destinés, et que tu leur donnes peut-être 500 000, lui, du moment où on ne peut pas lui demander compte, lui, il ne va jamais venir s'asseoir pour parler de nous donner des preuves pour Mamadou Touré. Parce qu'ils ont cette mentalité-là. Mais ils oublient que tout ce que nous sommes en train de dénoncer, là, c'est pour le bien. Sinon, de toi à moi, éclairé, est-ce que toi, moi, Sundiata le conquérant, ou bien toutes ces personnes qui appellent sur ces plateformes, est-ce que nous, on a besoin de ces fonds? On n'a pas besoin de ces fonds. Pas du tout. Mais c'est pour eux. Mais s'ils ne veulent pas venir, il n'y a pas de souci. Nous, on en prend acte, on passe à autre chose. Mais tôt ou tard, il y a une vérité qui va sortir. Ce ministère-là, moi, j'ai demandé à l'État de fermer et de confier l'emploi jeune à une banque. À une banque en bonne et due forme, même si c'est la SGBCI, qu'on crée ça, qu'on mette les fonds à la disposition de la SGBCI. Là, comme ça, la SGBCI, ils vont donner de l'argent à des jeunes, puisqu'ils doivent rendre compte à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ce sont eux qui vont nous dire exactement où est rentré cet argent-là. Le jeune qui a reçu l'argent-là, où il habite, où il est rentré, au lieu de se foutre de notre gueule en mettant un numéro de téléphone. S'il change de numéro de téléphone, où on rentre? Aujourd'hui, moi, j'ai l'emploi jeune. Tous ces fonds-là, même nos mamans même qui gèrent une tontine, sont plus organisés que ce ministère d'emploi jeune. Parce que personne ne fuit avec l'argent de nos différentes mamans-là, quand elles font leur tontine. C'est pas l'emploi jeune qui. Mais le même ministère comme ça, qui va venir nous dire aujourd'hui, ils ne savent pas où ces enfants-là sont rentrés. Tu donnes de l'argent à quelqu'un, mais tu ne sais pas où il est. Mais pourquoi tu lui donnes de l'argent? Donc, vraiment éclairant, c'est ce que je tenais à dire. Il n'y a pas de problème. Et puis, bon, j'ai une deuxième question à vous poser. Bon, vous avez répondu à la question, mais je voulais avoir encore une information là-dessus, quoi. Parce que vraiment, la réponse, vraiment, je n'ai pas très, très bien cerné. C'était au sujet un peu de Amontano. Donc, vraiment, bon, pour moi, le président, je ne peux pas en vouloir au président d'avoir fait un tel choix. Parce que si lui-même, c'est bon, je vois ça, parce que vous l'avez expliqué, mais il aimerait savoir un peu de détails, quoi, tu vois, vous voyez. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement là-dessus pour éclairer un peu mon antenne? Quel détail, par exemple, auriez-vous souhaité savoir? Voilà, détail, en fait, c'est les militants qui se plaignent du fait que le président ait accepté à Montpano, quoi. Ok. Oui, mais c'est ce que je dis. Dans la gestion du pouvoir d'État, comprenez qu'il y a des informations que le président peut avoir, que ni ce qu'on appelle des secrets d'État. Mais est-ce que les militants se posent aussi une question de savoir que Amontano n'est pas un enfant aussi? Est-ce que ce monsieur-là n'a pas servi de cheval de Troie? Voilà, on peut déjà se poser cette question-là. Et aujourd'hui, même si on suppose que tel n'a pas été le cas, est-ce qu'aujourd'hui, il vient en position de force ou de faiblesse? Et comment il sera utilisé pour l'avenir? Moi, je suis sûr que le président a déjà pensé à ces questions-là. Et donc, le président sait déjà que le calcul risque est moindre par rapport aux avantages. Et le président sait où il va avec lui. Mais c'est pourquoi je me suis résumé pour dire que tous ceux qui ont voulu faire fausse route au président ont piétiné eux-mêmes leur propre destin et ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Et ça, je peux vous le réitérer. Sachez que ce monsieur-là ne va plus briller. Ah, ça se voit même parce qu'il est tombé très bas. Voilà, il ne va plus briller. Moi, avec le conseil de l'entente, moi, j'ai vu là, vraiment. Il ne va plus briller, ça, c'est fini. Maintenant, les autres détails, il y a certains que je connais, il y a certains que je ne connais pas. Mais ce que je peux dire aux militants,
c'est que l'homme lui-même, quel que soit le rôle qu'il aura joué, il a donné une image que la conscience collective retiendra comme quelqu'un qui n'est pas fiable. Ça, au moins, c'est déjà une chose qu'on aura retenue et le monde peut continuer. Vraiment, merci, merci vraiment de m'avoir éclairé l'antenne parce que j'étais un peu confus. Mais je savais tout, j'étais sûr d'une chose, que notre guide, vraiment, il ne fait rien. Non. Les conséquences. Les gens n'ont même pas à s'inquiéter. Les décisions, voilà. Non, ça, c'est n'importe quoi. J'étais vraiment sûr, quoi. J'ai regardé et dit non, mais le président, il fait pas les choses parce qu'il faut faire les choses. Il n'y a rien, ça, ce n'est rien. Ok, vraiment, merci beaucoup. J'ai plus bon goût de connaître la psychologie de ses opposants en Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Éclairé. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Ok. Allô? Bonsoir, Éclairé. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Dieu merci. Bonne année 2022. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Et à votre maman, Madame Blanc. Merci beaucoup. Et à toute la classe. À vous, pareillement. Santé, succès, prospérité. Voilà. Ok. Je voulais vous dire comme ça que notre ancien premier ministre, le chef du gouvernement de l'époque, qui s'est fait donner une maison par Laurent Gbagbo, et lui-même, il n'a pas les documents. Laurent Gbagbo ne lui a pas donné de signer des documents, mais il prétend que ça soit lui sa maison. Cher éclairé, dites-moi, est-ce que monsieur prétend nous gouverner? Non. C'est dans quel pays on doit vivre encore? Le pays si cela sera possible. Le pays du désordre. Donc, sincèrement, moi, je n'ai pas beaucoup à dire. Mais je me suis assis, j'ai réfléchi jusqu'à un et demi. Attends. Maison que tu dis, c'est pour toi. Tu n'as pas les papiers. C'était tellement simple de mettre le président devant c'est dit, comme lui, il prétend que le président est contre lui, il est méchant avec lui. Viens avec les papiers, sinon tout le monde allait avoir les terrains et puis ne pas faire assez de. C'est tellement simple, puisqu'on n'a pas besoin de papiers. Je suis dépassé et je suis dépoussolé. Vraiment, c'est dès ça mon cri au cœur. Et puis bon, voilà, il vous dit bonsoir et tout. Il n'y a pas de problème. Et avant de vous laisser. J'allais vous envoyer un lien que vous allez suivre où j'ai bien détaillé cette question-là. Et je ne sais pas si vous avez suivi le 2 janvier, le décryptage des messages politiques-là. Non, je ne l'ai pas suivi parce que dans ce temps-ci, si ce n'est pas cette semaine-là, franchement, je vous prends souvent en différé. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand il doit écouter l'émission, je ne termine même pas. Ok. Donc, c'est que voilà. Donc, je vais vous envoyer un lien. Écoutez ça et vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok. Yeah, vraiment, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup à vous. Merci. Ok. On essaie de joindre notre soeur de Médine. Ben, on me dit qu'elle est sur un autre appel. Et donc, de ce pas, on va essayer encore une ou deux fois. Et on va passer à la conclusion. Ok. Elle est finalement sur un autre appel. On ne va pas vraiment la gêner pour cela.
Et donc, mesdames et messieurs, on va se dire vraiment merci pour ce soir. Merci pour tous ceux qui sont restés et qui ont protégé l'émission. Merci de montrer toujours votre détermination à aider la vérité. Et restons, comme je le dis toujours, nous-mêmes. Faisons ce que nous avons à faire sans chercher à ressembler à qui que ce soit. Mais surtout, défendons la vérité et la cause juste. Et comme on le dit, notre rôle premier, c'est d'abord d'aider le président Ouattara à rendre notre pays compétitif et un pays qui sera plus respecté. Et nous avons donné notre voix au président de la République. Et chacun, en venant défendre le président et ses actions, ne fait que confirmer qu'il ne regrette pas d'avoir donné sa voix au président de la République. Et comme il le dit, on peut continuer à lui faire confiance parce qu'au moins, il ne nous a jamais trahis dans ce qu'il fait. C'est vraiment très important. Et je salue Andrea Pokes, je salue toutes les Mao, je salue notre mère Dramé Fatoumata et bien d'autres personnes. Et je vous dis très bonne soirée et à nous retrouver certainement demain. Donc merci à tous et bien des choses à vos familles et à vous-même.